vraiment ce que c'est. Je ne supporterai pas ça. Tous les jeudis. Bonsoir. Je décale par là. Cette catastrophe. Non, il n'y avait pas de problème technique, c'est juste que... On avait des choses à préparer. Disons que c'est une plus grosse émission préparée pour nous que d'habitude. Peut-être que pour vous, vous ne verrez pas... De grosses différences, mais le son du jeu maintenant. Tu peux attendre. Disons que pour vous... Je sais pas si vous verrez une différence, mais pour nous, c'était plus gros que d'habitude à préparer. Et même si t'es venu quand même beaucoup plus tôt aujourd'hui que d'habitude pour qu'on prépare encore plus, ouais. Ça n'a pas suffi pour qu'on soit à l'heure. Donc disons que c'était chaud. Ah, en même temps. C'était chaud. Ça commence déjà à laguer chez moi, oh là là. Ah, désolé. Salut tout le monde. Hitbox pour ceux qui laguent. qui a dit qu'il laguait? C'est Squalala. Bah, Hitbox, Squalala. Alors, est-ce que j'ai le lien Xbox? Donc, nous sommes beaucoup ce soir, donc... File-le, s'il vous plaît, monsieur. Salut Kitsune, salut Ajusteur, salut Dana, Fear, Jack, Oliman, Kikori, Culture Moi, Lucine, Dehaï, Lucria... Ah, tout le monde. Combien on est? Ouais, il y a beaucoup de personnes. Combien salut on est? Salut Meg, Nanou, Neko-chan, Nemel, Obélix. Ça, c'est Obélix. Je sais pas combien on est. Rika, il y a même Rika, donc ça fait... Twitch, je m'indique pas combien on est. Faut compter à la main. The Dork, The King, Mike. Je vais compter. Et Yoru no Hime. En ne comptant pas nous. Ouais. Avec Red Fox. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19. Encore 6 personnes. Et il y a les couettes. Et le tapis de souris a gagné. Plus gros. Mon père, c'est monsieur. Donc 6 personnes qui doivent nous rejoindre au cours de la soirée si vous voulez que ça arrive. Mais vous avez 2h30 devant vous pour que ça arrive. Bref, on va commencer. Donc, je dis grosse émission. Vous verrez au fur et à mesure. Déjà, on va être expliqué que c'est une spéciale troll pour voilà. Les 10 ans. Vous dire... Oh là là je suis déjà dans 10 ans pour la 10e émission. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu le même format que d'habitude, mais avec ce thème-là en plus. Voilà. Donc on va essayer de travailler ça un petit peu plus. Forcément, s'il y avait demandé plus de travail... Merci Nemel d'avoir partagé le lien Hitbox. Ouais. Hitbox, c'est Twitch, mais c'est autre chose. C'est un Twitch, mais c'est un concurrent. Voilà. Et qui, pour les petites connexions, marche. Salut, Kuroku. Bref, donc, donc spécial troll, donc même format que d'habitude, mais un petit peu différent. Ah voilà, mais on vous dira. Et premier jeu de la soirée, parce qu'avant que j'explose... on est déjà crevés avant de commencer, c'est ça qui arrive. Donc on joue à 4 Mario en premier, en deuxième... On n'a pas vieilli en 10 ans. À Sumotori, donc on va commencer tout de suite parce que là il n'y a pas de jeu. Est-ce que tu expliques vite fait ce que 4 Mario en gros c'est... Comment ça joue? Ouais ouais. C'est quoi les 4 Mario, tu sautes. 4 Mario c'est une espèce de Mario Bros mais en troll, c'est-à-dire que les développeurs jouent sur les habitudes du joueur, sur les réflexes du joueur, et pour troller le joueur pour handicaper sa progression. Oh putain. Bah tu vas y arriver. Et puis plus, t'avances pas mal là déjà. Des gros pièges. À mon avis ici il y a un gros piège. Mais non. J'ai jamais joué à 4 Mario mais j'ai déjà un peu vu. On est 23 nos dieux. Je m'en doute. Oh 21 sans compter les deux glandus. Voilà, faut pas nous compter. Nous c'est de la triche. Nous deux ne comptons pas, mais les autres oui. Tout le monde va devenir un 4. Attends. Oh merde. Et le dessert. J'avais réussi un peu. Non, je propose que c'est ce qu'on fasse, 3 vies, les 3 vies chacun. Et puis après, on essaye de voir qui va le plus loin. Je pense que c'est moi. Mais parce que toi, t'as déjà joué. Bon, je vais puber. Disney. Ah oui, bah oui, Disney. Le dessert. Le bâtard. Je m'attendais pas, franchement, je m'attendais à un coup du champignon. Le champignon... Regarde. Moi, j'y vais en mode... Squalala, pour écrire sur le chat en même temps, ce que tu peux faire, c'est soit mettre en pop-up le chat de Hitbox, de Twitch, soit mettre en pop-up l'écran de Hitbox, pour les mettre côte à côte. Ah non! Tu t'organises comme tu veux, mais tu peux faire ça. Moins 1. C'est vrai qu'ils font les moins 1. Alors, je vais un peu refaire les comptes. Je vais refaire les comptes. Et l'autre, il a un prénom quand même. Puis ce qui serait bien, c'est que si on atteint les 25, que les 25 s'en vont pas tout de suite, quoi, quand même. Qu'il reste un minimum. Non, je demande pas qu'on soit 25 toute la soirée, mais quand même. Un petit peu. 1, 2, si tu respectes même pas les règles de ton propre... Non, je dis pas que c'est 25, je le ferai. Vous êtes condamné à rester toute la soirée. Si on arrive à 25, je le fais. C'est juste que j'aimerais bien que les 25 restent un peu quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Regarde.
Regarde-moi ça, j'attends le checkpoint. Checkpoint. On est toujours 21, 4 personnes, vous êtes à 4 personnes de la victoire. Et attention au multi. Oh merde. Hein. Ah non, non, non. Ces gens voient. Bon bah, le décès. C'est à toi de jouer. T'as pas vu ce que j'ai fait en même temps. Mais j'attends le checkpoint pour nous deux. C'est vrai? Si c'est pas beau. Ce checkpoint là? Oui. Au moins 3. Parce que... Salut Roxo! Alors, donner de la cyranure à cette bande de ouf. La cyranure. Cyranure de Bergerac. C'est ça. Alors, démon boulot. Salut Kina. Alors, oh, peut-être vas-y, parle vite fait de la... De... Oula. Oui, oui. De la... De la FAQ. De la... Comment elle va se passer? En fait, on l'a fait en vidéo. Alors, on a fait une... Bah oui, c'est un peu le principe d'une FAQ. Mais vu qu'il y a des personnes qui ont répondu un petit peu... tardivement. Bah, ce qui fait que peut-être en fin d'émission... Je suis bloqué, là. Oui, oui, tu viens de mourir. Mais quand je fais pour mourir? Bah, tu vas dans le trou. Mais je tombe pas dans le trou. Si, si. Ah, d'accord. On répondra à des questions peut-être en fin d'émission aussi, s'il y a des personnes qui posent des questions dans la FAQ. J'ai pas suivi, tu parlais pas assez fort. Qui ça? De quoi? Est-ce que le son du jeu est trop fort par rapport à nos voix? Peut-être. N'hésitez pas à nous le dire, ça. Ah oui, parce que ne subissez pas. Comment on met le chat Twitch en pop-up? Tu vas sur le petit engrenage en bas à gauche du chat, qui s'appelle chat setting, et il y a marqué pop-up. Ah merde, ah oui, je suis retombé dedans comme un con. Ah bah c'est Dark Dova King qui a répondu d'ailleurs. Dans le chat setting, je réponds tout. Ah oui, Hitbox, ça passe tranquille. Hein. Donc c'est pour ça que si vous avez des problèmes sur Twitch, n'hésitez pas à aller sur Hitbox. Pour les petites connexions, il est mieux optimisé. Non, tout est très bien par rapport au niveau du son, on me dit. Non, c'était Metz qui parlait pas assez fort. Ah d'accord. Ah, peut-être que j'étais loin du micro aussi. Oui. Putain, mais je peux pas. Mais si. Attends, là je suis mort 3 fois, donc c'est à ton tour, mais... Ah. Tu veux aller plus loin, moi, je sens. Oui, je sais. Je sais. Regarde. Laisse faire l'expert. Ah oui, non, mais c'est pas ici. Merde. Regarde. Et tu peux sauter ou quand même. Oui. Alors là, il y a les petits fantômes. Ah, tu connais par cœur. Bah, je l'ai fait plusieurs fois, je te rappelle, ce truc-là. Tiens. On va les regarder. Avancer. Mais je pense que normalement, on ne devrait pas faire ça, parce que sinon, c'est un petit peu chiant. Allez, les fantômes. Je sais pas comment tu veux faire autrement. Tout ça. Alors là, il y a un truc. Oh merde. Il y a combien de niveaux d'ailleurs? Oui, non, mais regarde. Et pourquoi t'es mort? Parce que. Faut atteindre le haut? Oui, il faut passer au-dessus en fait, je crois. Ah oui, c'est à moi, encore! Ah! Le dessert. Ouais, non, mais je pense que Hitbox au niveau de la connexion. Enfin, de la connexion, de comment il gère les connexions. C'est à toi de jouer. C'est vraiment un à gros toi de jouer avantage par rapport à Twitch, et Twitch devrait se méfier. Hein. Alors Rien que pour cet argument-là. Ou que le roux parle trop fort, viral. Décidément, faire ouais, c'est ça. C'est pas ce que tu as contre moi. Putain, je suis encore fait piéger. Du fin fond de la combrou, c'est vrai que c'est mieux Hitbox. Même Hitbox, là, que chez moi, achetez-moi une co. Ce qui est marrant, c'est qu'il te tend des pièges fous pour que tu tombes dedans comme un con. Mais ah, le petit trou, je galère pour tomber dedans. Alors... Et Lucie, la campagnarde, t'aimes tes say. Date chablon, mais où est le mignon? Tu viens de te faire avoir. Putain! Je suis con. Le pire, c'est que je m'étais pas rendu compte avant que tu me le dises. Ah oui? Pourtant, Hitbox, c'est mieux que Beatbox de Hugo Lepé, n'importe quoi. Du cas, MFJ. Mais il est nul, oui, non, mais... Vous connaissez déjà mon skill sur les jeux normaux, alors un jeu comme celui-là. Yui aussi, il est nul, c'est ça? Mais la violence, alors, la combien raison, ça nous fait? Un. Nous sommes 19. On a même perdu en chemin. Et ouais. Si près du but. Ah non, il y a d'autres personnes. Bon, c'est censé. Ah oui, mais il y a des gens qui sont sur Hitbox aussi. Tu veux aller voir sur Hitbox et compter les gens qui sont en plus là-bas? Oui. Mais vraiment, je sais pas. J'ai même pas le lien Hitbox, moi, c'est pour te dire. Quelle honte. Oh, allez, bravo, il est sur Hitbox, il sait pas. Bah, va sur Hitbox. Je vais le récupérer, regarde. Et moi, pas dans ce terrain, je vais continuer de me prendre dans le même terrain. Et pendant ce temps-là, vous voyez tout le temps la même chose. Alors, imaginez Yui qui joue à ce jeu pendant que Lucinda le clash. Ça n'arriverait jamais, ce genre de jeu. Non. Oh putain. Merci pour le doublon.
Je sais. Tu enlèves les doublons par contre, hein. Je ne veux pas que tu comptes plusieurs. Current view. Plusieurs fois les... Mais il y a 10 personnes qui sont en train de regarder quand même. Oui, mais combien de personnes qui ne sont pas sur notre Twitch? Alors là, comment est-ce que tu regardes? Oui, où est-ce que je suis? D'accord, je suis mort en fait. Tu me déconcentres. Alors, comment est-ce qu'on voit les gens qui sont connectés sur... Bah normalement, c'est comme pour... Ah non, c'est là. Et puis là. Oui, mais il faut que je sois connecté. Ah, bah voilà. J'ai-je. Et je sais plus c'est quoi mon identifiant. Bon, je joue. Bah non, je peux pas le faire, moi. Je sais pas mon baiser. Putain, il roule. La perturbation. Non, mais de toute façon, cette émission, c'était... Je vous dis pas à préparer derrière, parce que vous voyez pas ce qu'il y a derrière. Alors, mais... si la violence ne résout pas ton problème, c'est que tu ne tapes pas assez fort. Les roues sont libres et égaux en droit. Oui, Yue est gentil, mais il est un peu idiot. J'ai besoin de concentration. Des petites... Non, mais c'est à moi de jouer, là, c'est bon. Hein. Tiens, dire. Mace, il est mort. Ah bon? Yamete Kudasai, donc t'as pu voir. Yamete. Bah, connecte-toi sur Hitbox, puisque tu as la capacité. J'ai le pouvoir! Pardon, j'ai parlé fort. Bah oui. Excusez-moi. Il est près du micro. Il est près du micro. Je m'écarte. Et je me tais un peu. Je ne parle pas trop fort. Concentration. Je suis un chat. Et je suis badass. Allez, les fantômes, tombez s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Oh merde. Voilà. Alors. On n'a pas changé du strip sur Hitbox. C'est vrai? C'est pas grave. Oh, il y a Fabichou. C'est qui Fabichou? Bah non, je vois que Holyman. Ah. Non, je pense que c'est parce que c'est les gens qui sont sur Twitch. Le pouvoir de perdre. Alors, normalement, je passe. Et là, je dois faire quoi? Ah oui, c'est bon. Bon, on a fait le premier monde, Mace. MDR, Yue se crash total. Yue baisse le volume. Ouais, pardon, excusez-moi. Ah ouais, non, mais tu l'as raté. T'as fini le jeu, là? Non, à mon avis, regarde, va ici. Ah, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Ferme ça. Ça, c'est pas beau. D'accord. Alors. J'ai dit, il est vachement court, le jeu que tu... Parce tu que m'étonnes. C'est toi qui m'as proposé de faire celui-là, je lui ai dit, mais ça... il est court. Ça même pas... Parce... J'ai pas compris, ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En même temps, je suis pas concentré. Ah bah si tu veux, recommence, tu vas voir ce qui s'est passé. D'accord. Pas mal. Salut. Alors, Iceward, j'imagine. Ou Diceward. Ou Dwayne Iceward, je ne sais pas. Mais attends, je comprends pas, je me fais tuer des deux côtés. Est-ce que tu rages, lol? J'ai-je. Ouais, moi je vais rage kit. Non, parce que tu vois pas mes messages. Fabichou, c'est... Ah d'accord. Bon bah, salut Fabichou. D'accord, en fait, tous les champignons nous tuent aussi. Oui. D'accord. Et oui. Moins 17 vies, moins 18. Non, mais je crois qu'il faut un compte hitbox. Pour? Oui, pour. J'ai rigolé. En même temps, il n'y a pas de champi pour avoir plus de coups à prendre pour mourir. Ce jeu est déconseillé au plus de 18. Mais c'est nul, rip. C'est vilain, ça. Ah, oh. Panda, elle est là, mais le chat ne marche pas chez elle. Donc, salut, Panda. Mais je comprends pas ce qu'il faut faire. Tu sais ce qu'il faut faire? Ok. Que je peux pas passer d'un côté de l'autre. Mais si, tu peux passer. Ah bon? Bah oui. C'est bizarre, des fois, il y a... Non, parce que là, il y a un champignon. En même temps, qui t'a dit de le faire péter, ce bloc-là? Mais comment tu veux que je fasse autrement? Est-ce que tu peux sauter que bord du tuyau? Ouh, il va me saouler, ce jeu! Il va me gonfler! Alors? Oh putain de merde, vite! Esquive le fantôme. Non, Yue, l'appelle pas comme ça, MDLOL. Rika, non plus, please. Essaye un peu, Fiat Jack. Je prépare le popcorn. LOL, c'est vilain. Je t'embête. Le décès. Pour qu'il comptabilise l'aigu. L'aigu. Pourquoi t'as proposé de jouer à ce jeu, en fait? C'est super énorme. C'est un petit peu le thème de l'émission. Je crois. Fais pas sortir le champi, mais c'est la logique, c'est beau. C'est clair. Mais c'est nul, RIP 2. Allez, vas-y. Allez, Mace. Allez, Mace. Tu vas y arriver. Oh putain de merde. Non. Si, si. Après, vous connaissez pas, mais enfin, le personnage, il saute un peu dans tous les sens, quand même. Qu'est-ce que tu racontes? En gros, c'est pas de ma faute, quoi. Non, mais tu devais les dents. Bravo. Je l'ai tué, quand même. J'aimerais qu'on remarque cet exploit. Ce jeu est tellement en train de... Mais c'est ça. C'est ça. C'est tout le concept. Je rigole comme un gogolo, pourquoi? Je vais moi...
Parce qu'au début, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, c'est parce que je regardais le chat. Alors, on va voir si tu maîtrises la situation. Le décès. C'est sympa de ne pas avoir mis de bloc. Est-ce que je peux taper sur le truc vert? Allez, vas-y, Mace. Oh, oh putain, quel bande de... De fantômes. Trollolololo. Ok, jamais de match, Pierre Jack. Oh. Ah putain, faut que j'arrête de regarder le chat. Parce que je crois qu'il ne comptabilise que les vues des gens sur Hitbox. Ouais, un mort. Le dessert. Alors. Ah putain, c'est vrai. Nous sommes un. Ah putain, ça fait beaucoup, hein. En fait, faut juste connaître par cœur. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nous sommes 20. 5 personnes de la victoire, les gars. Les couettes et un tapis de souris à gagner. Parmi une sélection de 4 tapis de souris. Oui. Oui. MDR. L'enfoiré. Au revoir tout le monde. Salut Culture Moi, merci d'être passé. Oh, oh le dessert. Le plus bizarre, c'est que je voulais pas que l'autre m'attaque, mais moi. Ce jeu devrait être interdit par la loi des jeux de plateforme. Ah bah tu m'étonnes. Continue, mais c'est drôle. Mais ce qui va être drôle, c'est que Mario Maker arrive. Moi personnellement, c'est un jeu qui m'intéresse, donc je me le prendrai sûrement. Joue. On parie combien que des gens vont faire des niveaux trolls de ce genre-là. Ah bah oui. Donc moi je pense que oui. Il y a de fortes chances que, déjà peut-être qu'on n'en parle pas de live, on en fera des vidéos d'ailleurs. Déjà moi, pour moi tout seul, oui. Nemel qui dit non mais on est quatre chez moi, vous regardez. Mais ça fonctionne pas. Si t'as une preuve. Si t'as une preuve. Fais tourner une photo. Une photo avec l'image du pad live de maintenant. C'est genre l'écran de la télé en même temps et les quatre personnes à côté. Ouais. Pour prouver que c'est maintenant que t'as pris la photo. Tapis si de tu me le prouves, je veux bien qu'on les compte. Tapis de souris collection automne-hiver. Il t'habitait. Hein. Tapis de souris collection. Nemel, ça compte pas. Bah écoute, vu que Mace a dit oui. Écoute, moi je considère que j'envoie une photo. Pas bisous, Pierrick, tu es un mal. Envoie-le au Skype de Yue. Ouais. Ça sera plus simple. Mon Skype. Ouais. Putain. Allez, Mace. Mais comment je suis mort? Mais comment je suis mort? Mais je suis mort sans rien toucher. Laisse-moi prendre le relais. Ah oui, d'accord. Et si tu me donnes le clavier quand je tombe? Non, Bénix, si on est schizo, ça marche. Non. Parce que tu peux pas le prouver, ça. Ah oui, j'avais oublié ça. Ça, tu te fous de ma gueule, mais... Oui, non, mais bon, j'aurais peur de la photo. Eh ben, si c'est un truc dégueulasse, eh ben, on vous le diffusera pour que vous en puissiez en profiter. Alors, tu vois, regarde. Merde. Je regarde. T'as un œil attentif. Sinon, j'aurais pas... Tuk-tuk. C'est chaud, cette pièce. Non. Après, donc, Cap Mario, on diffusera la FAQ. Éventuellement, on répondra dans la foulée aux questions supplémentaires qu'il y a eu entre temps. Mais t'as vu comment il est passé? Ouais. Y avait pas un truc ici? Si, y a un truc qui t'attaque. Éventuellement, on répondra aux questions supplémentaires. Et après, on enchaîne avec le blind test. Regarde. Blind test spécial troll, alors je vous. Oh l'enfoiré! Blind test spécial troll, alors c'est-à-dire qu'il aura quelque chose de spécial. Il est content. Non! Non! Oh, j'ai parlé trop. Oui, mais bon. Moi, je propose une baffe à chaque fois que tu augmentes le volume, ça va le calmer. Ou une calotte. Je vais te mettre une calotte. Alors, attends. J'ai pas dire une biffe, mais. Oui, bah non. Oui, bah non. Hein? Ah, tu vois qu'il y a des problèmes. Tu vois que je suis pas fou. Je suis pas fou. Oh merde. Le dessert. Je vais trop près de mon oreille. Qu'est-ce qu'ils disent, le chat? Le dessert, vous avez... Non, mais Jacques, quand tu dis ça, je comprends rien. Pierre Jacques, oui, non, mais c'est parce que c'est pas intéressant. Pierre Jacques, oh oui, bifeux. Et bien, je suis trop mainstream. Vas-y. Moins 42, c'est vrai, on est à moins 42 là. Plus maintenant, moins 43. Putain. Oh, Dana, c'est quoi une bifeux, oh, putain. Alors, non, j'espère que c'est pas une vraie. Je sais pas, Et Lucie qui dit je vais aller me prendre une bif. Personne. Et alors vous prendrez quoi? Une petite bif, s'il vous plaît. Non, je m'en ai dit, je vais aller me pendre. Enfin, je vais aller me prendre. Là, tu vas avoir des problèmes. Là, il va venir sur le Skype pour venir te mettre ta misère, là. Excuse-moi, j'ai mal lu. Ah oui, non, mais bon, c'était hyper tendancieux.
Salut Panda. Donc là, il y a l'autre fou qui nous attaque direct. Oh putain. Ouais, c'est bien. C'est impossible. C'est impossible. Je te rappelle que je l'ai fini. Tu l'as fait, t'as fini le jeu? Oui. Le jeu entier? Oui. Ah bon? Alors, Théo, elle est jeune, yo Panda. On me l'a déjà dit, mais je sais pas c'est quoi. C'est pas grave. Si c'est pas grave. C'est pas grave. Tu le sauras bien assez tôt. Toujours. Bonjour aux nouveaux arrivants. Oh, j'ai explosé. Plus c'est jeune, mieux c'est. Oh mon dieu. Alors, moins 47, ça fait beaucoup. Et tu es encore tombé. Oh putain, faut que j'arrête de regarder. Perte d'inattention. C'est le début là, tu vois. Tu te concentres pas sur le début, il te fait. Oh oh, je te troll. C'est le début de la fin, ça me fait penser. Ouais, je vais te penser un truc, mais c'est pas grave. Même derrière, il va se prendre un autre clash de Lucie sur 4 Mario. Ça serait tellement. Alors. Non mais. Roumain. Théo Cellule. C'est un peu vulvaire. Mec dit c'est un peu vulvaire. Attention, c'est pas un peu vulgaire, c'est un peu vulvaire. Bah, oh putain. Ça va bien avec la bifle. MDR, je comprends pas. C'est quoi, ça m'énerve. Bah, va aller voir. Non. T'es con quoi. Il est fou lui. Alors. Vulgaire, désolé, correcteur ou pas. Ma mère m'a dit d'aller me coucher. Ah, bah écoute. Soi-disant parce que je suis fatigué. Elle sait à ta place. Tu es fatigué, tu es fatigué, mon fils. Ah bon. Ah bon. Tu donnes une glible. Une glible. Allez, parce que ça faisait longtemps. Ah bon. On m'a dit de surtout pas chercher sur Google. Ah, oui, 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 mais finalement, va surtout pas chercher sur Google. Oui, non. Je me mélange dans les interfaces. Oui. Je sais pas pourquoi il me montre ça. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un complot jeu vidéo maçonnique. T'es trop vulvaire, bro. C'est un bon conseil. Ah non, on peut le tuer comme ça. Par contre, tu peux pas le tuer, il a la couronne, ouais, tu vois. Ouais. Oh, j'ai la couronne. Par la couronne diamant. Par la poussière. Pourquoi y a pas de couette diamant? Parce qu'il n'y a pas les 25. Ce que j'ai dit, on n'est pas 25 là. J'ai. Vas-y. Non mais le mec il veut plus s'arrêter de jouer en fait. Mais écoute. C'est moi qui joue aussi des fois quand même. Je te calme. J'ai bougé la cam. Je suis peut-être un peu trop. Ouais. Non par contre on est en décalé. Comment ça on est décalé? Il y a la bordure noire. Ah merde, c'est ça ce qu'il voulait dire. La bordure noire. Oh merde. La bordure noire. Attends, remets-la correctement. Voilà. Voilà. 1, 2. Attends, 1. Moins 56, ça commence à faire beaucoup. Hein. Par la poussière de diamant. Ok, je demanderai à mon prof de français. Attends. Tu crois qu'on a atteint? Presque. Mais arrête de me parler quand je compte. Parce qu'il y a mis tout de suite. Hein. C'est prêt pour qui là? C'est prêt pour le patron, mec? Oh putain, le décès. Multicompte autorisé pour le 25. On est 22. 22. Ah, dis donc. 3 personnes m'en comptent, les gens. 3. C'est à mes fous. Rendez-vous compte, on va battre. Là, déjà. On a déjà rabattu notre record. On a battu le record de pas de live. Déjà, rien que pour ça, je vous en remercie. J'ai cru que t'allais dire autre chose. Non. Donc déjà, merci. Oui, c'est gentil. Et je veux ça toutes les semaines, maintenant. Oh, le niveau... Oh, punaise, moi, je regarde pas. Le niveau d'exigence, maintenant... Allez, au moins 23 personnes sur Padlet. Faut peut-être un petit peu se calmer, mon grand. Ils sont venus pour les couettes. Tout ça, c'est pour les couettes. Donc, 3 personnes supplémentaires. Et après... Mais il se met tout nu. Non, c'est pas ce qu'on avait dit. Ah bon? Oh, punaise. Vas-y, je t'en prie. Non, je suis pas pressé qu'il y ait des couettes, c'est que j'essaye de motiver un peu les gens pour qu'on arrive à battre ce record. Alors... Si tu as les tapis de souris, ça les suffisait pas à les motiver. Alors, 2 v'là les flics. 22 v'là les flics. Pierre Chava amené. Je sais pas ce que ça veut dire. En tu connais le langage d'Anna? On a dit des couettes. Il faut remercier Nemel. Ah, il faut remercier Nemel. Sinon, fous Roda. Pourquoi des couettes? On a atteint? Oui, au fait, bonjour. Alors, c'est. Alors, je ne sais. Rider Sensei, donc je suppose qu'on dit Rider, c'est plus simple. Salutations à toi et bienvenue sur Panay. Oh, fils de. Fils de. Oh, putain. Eh, mais on est bloqué là. De toute façon, il reste encore 10 minutes et après, on passe au FAQ, mais. Ah là, FAQ. Parce qu'il n'y en a qu'une seule. Et après. Osef des tapis, des souris, on veut des couettes.
Ça, je m'en doute un peu. Bah écoutez, on les garde pour nous, les tapis de souris. Mais on les a même pas. D'une valeur. Bon, oui, on peut demander qu'on nous les envoie. Oui, c'est pas faux. D'une... Pourquoi je suis mort? Alors, oui, il faut pas compter les deux glandules, le problème c'est ça. Bah oui. Bah bien sûr. En fait, j'ai l'image pour prouver, Inoue. Ah. Alors. Ça va être une grosse connerie. Ça charge. Oh le montage. J'essaye de. Je sais pas. Ah, ce montage. Faudrait la diffuser, le diffuser. Ce montage des enfers. Mais grosso modo, il y a. C'est ce genre de montage, genre un peu publicitaire où t'as 4 personnes devant une télé et puis il a juste rajouté l'image de l'émission dessus. Attends. Je vais voir s'il y a moyen de. Alors attends, il n'y a pas un truc Noël Chac, voilà, hébergé. Oh putain. Allez, Mace. Ce serait cool qu'on passe ce passage quand même. 69, ouais, 69. Amener érotique. Est-ce que ça sera chiffre porte-bonheur? Non. 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 Ne me décourage pas. Attendez, j'héberge tout ça pour que vous puissiez voir le magnifique montage de Nemel. Oh, je suis au checkpoint. Si, regarde, regarde-moi ce numéro de la chance. Alors, le magnifique montage de Nemel. Par contre, là, est-ce que tu vois comment passer ici? Oui. Parce que là, je vois pas du tout. Oui. Il faut taper sur le... Là? Oui. Ne prends pas l'étoile. Bah d'accord, mais tu me dis de taper et après tu... Ah non, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Et tape l'autre... Non, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Ah, c'est le champignon. Non, le prends pas, s'il te plaît. Tu m'as mis une étoile, tu vas bien me bloquer. Oui. Ça va être compliqué maintenant. Bah évidemment, tu m'as mis une étoile. Évidemment, tu m'as mis une étoile. Tu m'as mis une étoile. J'avais réussi à aller. Grand malade, va. Bon, le champignon. Il est content. Ça va être tout aussi compliqué. Putain, en plus, je t'aime dedans. Le dessert. Oh, mais ça sent l'échec. La boule magique. Je me dis, est-ce que je dois toucher? Je ne sais rien. T'as jamais passé ce passage? Si, mais je me rappelle plus. Hein. C'est pas mon jeu préféré, tu sais. Hein. Ah bon? Je lâche dans ma connerie. Mais non. Oh, fils de chien! Oh, les fils de chien! Oh! Yui, tu me fais peur. Tu m'as mis une étoile, Yui, pas de life, épisode 10. C'est pas Maze qui a dit ça, tu m'as mis une étoile. C'est Maze, je crois, non? Trisomique 21. Bon, là, Yui fait toujours peur. Allez, Maze. Allez, Maze. On va y arriver. J'ai peur. C'en était fini de nous. J'ai oublié de sauter. Fille de flûte! Cette violence, non mais c'est clair. Alors, t'as fait combien de temps que t'as pas compté? Que j'ai pas compté quoi? Ah, les janges! Oh là! Un, faut pas trop deux, lui trois, demander. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20. On est 20! Ah non, désolé les gens. Sans les filles, vous! On passe près des couettes, mais on n'y arrive pas, hein. I believe I can fly. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Fils de flûte traversière. Oh, j'aime beaucoup ça. I believe I can rip the sky. N'importe quoi. C'est dégoûtant. Bah bravo, t'appuies toujours sur l'étoile. Tais-toi! T'as eu de la chance, hein. Putain. La boule magique. Vite. Mais pas trop vite, hein. Siffle vite. Alors votre conscience apparaît. Bravo, Mace. Bravo. Mais là, je sens le. Je sens le gros je troll sens de la connerie. Main. Qu'est-ce qui va m'empêcher? Si tu décèdes ici, franchement, je ris. Je ris jaune. Dépêche-toi. Ah, dépêche-toi. Mais là, je peux rien faire, je peux pas bouger. Il fait peur, hein. Bravo. On est au troisième. Il est 22h11. 22h07. Oui, vite, tu es. Vite quoi? Tu as compté Hitbox? Non. Salut, Fab, j'imagine.
Là, c'est destruction. Parce que LPB, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc Fab, alors, reprends-moi sur ton pseudo, j'ai pas au cas où. Alors. Oui, vite joué, appelez-moi le pingouin. Ah, pardon, excuse-moi. Appelez-moi le pingouin, excuse-moi, j'ai pas lu. Donc, salut, le pingouin. Pingouin, le vrai, celui des Twitter. Oh oui, ça marchait, bravo, oui, salut le pingouin, bravo, de la coke. Ah non, c'est du sel, pardon. Autant pour moi. Oh. Tu es décédé. Ah bon ? Oui. Comment je pourrais pas revenir là ? Comment je fais pour passer ? Ah ah ! Je suis vraiment mort là ? Je peux rien faire. Le Pixel Battle, oui, tu décèdes. Ah bon, d'accord. Tu décèdes. Le dessert. Bah oui, tu l'as. T'as lu ma bio au moins ? Mais non. En fait, faut mettre le truc. Ouais, il faut mettre le truc. Mais je sais plus pourquoi. Pour faire un effet escalier. Alors voilà. Voilà. Oh putain, c'était eu de la chance, hein. Sur des fois, là... Je crois qu'il y a des trucs sur lesquels il faut. Bon bah, du coup, si tu comptes pas Hitbox, je me mets aussi sur Twitch avec le son coupé. Mais non ! Mais non, 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 non. Mais si tu es sur le chat Twitch, tu es compté dans Twitch. Tu es compté dans Twitch de toute façon. Il suffit juste d'être sur le chat Twitch et t'es compté dedans. C'est qui le pingouin de Twitter ? Un mec qui fait des montages de ouf, quoi. Ah ouais ? Alors. Mais quand t'as le chat en pop-up, ça compte comme un vinéco. Bah bien sûr. Ah ouais. Oui, donc on a même pas besoin de regarder sur Hitbox. Hein. Finalement, ouais. Mais justement, il m'a fait rebondir. Lol. D'accord. Alors, il est 22h13. Bon, le dernier essai, puis après. Passe. À la fac. Fuck. À la fac. Et eux, il y a un problème là. Oui, mais tu n'as pas appuyé sur. Tu n'as pas pris le petit jeton bleu. Ah, je suis obligé. Je crois, oui. Bon, alors, refais un dernier essai. On vous avait dit. Et vous avez. Oh, vous avez dit à Potato les gens. J'ai vu Kiss en concert et j'ai vu Alice Cooper. Putain. Salut P13S Gaming. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh là, qu'est-ce qui se passe? Mon dernier essai. Mais tu n'as pas pris le. Mais je suppose. Bon, on n'aura pas réussi à progresser sur le dernier niveau, mais c'est pas grave. C'est qu'on n'a pas rajouté le. Là. Là. La quoi? La vidéo FAQ dans les playlists. Ah oui, on va juste rajouter ça en attendant. Pourquoi tu rajoutes lui? Bah, c'est en attendant que je trouve. Ça n'a aucun sens. Ça devait être le truc d'attente, hein. Hélas, on n'a pas eu le temps. Alors, la vidéo FAQ, elle est. Eh ben, elle est là. Elle est là. Salut tout le monde et bienvenue pour cette vidéo. Et toi, pourquoi tu parles? C'est toi qui m'a. Bon, chut. Voici la vidéo FAQ. A tout de suite. Salut tout le monde et bienvenue pour cette première FAQ de Padlife. Première question de Potato qui nous dit: vous êtes PD donc ou pas? Bah écoute, c'est peut-être le moment de le dévoiler. Tu penses? Oui. Non mais attends, tu veux rompre le fantasme, les limites et tout là, c'est ça? Bon d'accord. D'accord, bon allez. Question de soldat pitivier que je ne sais pas qui non. C'est sur le chat. Quand aura-t-on droit à voir des trucs drôles dans vos lives? Qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est quoi cette question? Est-ce que Padlife est censé être drôle à l'origine? Oui. Ah bah c'est pour ça. Question de Dana. Dana qu'on connaît bien. C'est bien que ça. Comment faites-vous... Chut. Faut pas le dire merde. Comment faites-vous pour me supporter? Enfin, supporter elle. Ah, supporter elle. Bah, c'est surtout quand elle est au micro en fait. Ah oui, tant que t'es pas au micro, ça va pour vous poser les oreilles. Et des GP de manière générale, c'est assez impressionnant quoi. Qui c'est qui est en train de souffler dans son micro? Dana, ton micro est vraiment horrible. Mais mon micro, c'est un vieux micro tout pourri en même temps. Bah oui, mais bon, souffler dedans, ça va pas l'aider. Si tu restes à l'écrit, c'est bon. C'est bon. Alors, toujours question de Dana qui dit: Comment êtes-vous rencontré? C'est bien dit. Comment êtes-vous rencontré? Tu peux lire. Comment êtes-vous rencontré? Non, en fait, on sait pas êtes-vous, on sait Y rencontré. Non, ça blague de merde. Non, bah, je te laisse expliquer non, un petit peu les choses. Non, bah, tout simplement, on est amis du lycée. Ouais. Oui. J'ai connaissance du lycée.
On se croisait vite fait quand on était en seconde et on est devenus amis pendant la première parce qu'on on était dans la même classe. Et puis on a continué en terminale. Et puis voilà. Surtout, vraiment en terminale, on a plus été ensemble que. On s'est rapprochés. On s'est rapprochés beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Un peu trop long. Autre question de Dana. Quelle est l'idée pour faire les Pad Life? Alors, c'est compliqué. C'est compliqué parce que finalement, c'est venu un petit peu d'un commun d'accord finalement. Parce que, si on veut remonter aux origines, avant les dinosaures. Avant Jurassic World. Pour le coup, c'est vrai, c'était avant Jurassic World. Mais après Jurassic Park. Oui. C'est que, en gros, toi, je voulais faire des lives. Moi, je faisais déjà des lives de temps en temps. Vraiment comme ça pour le kiff. Voilà, et puis, ça restait dans un cercle d'amis. Mmh. Et toi, t'as voulu te faire des lives avec une petite communauté, etc. Ouais, avec les gens qu'on connaît principalement. Sauf que t'avais pas forcément le matos technique pour le faire comme tu voudrais le faire. Ouais. Et moi, quelque part, ça m'a motivé pour me relancer là-dedans de manière plus développée. Ouais. Et de fil en aiguille, on a voulu faire un ensemble sur ma chaîne perso, et puis c'est comme ça que la Redstone nous a rencontrés quand on s'est fait avec le live et travailler au concert. Sachant que, on voulait faire aussi, quand on a fait le live ensemble, on voulait faire un live avec la webcam et quelque chose de plus travaillé, histoire que vous puissiez participer aussi. C'était un petit peu ça la démarche. Et puis, oui, par hasard, effectivement, on a été repéré par la Redstone à ce moment-là. Et du coup, on a cadré un petit peu plus le concept, histoire que ça soit un petit peu plus pro, quoi, entre guillemets pro. Même si les deux derniers lives... On va dire moins amateur. moins amateur, voilà, c'est plus adapté comme mot. Mais oui, mais en tout cas, pas à l'arrache, quoi. Pas à l'arrache, c'est ça. C'est quand même très chaud. Que préfères-tu, Maze, Sims 3 ou Sims 4? Bah, les Sims 4, même s'ils ont eu un retour critique moins bien que les Sims 3, je préfère largement cette génération qui reprend grosso modo toutes les qualités de la deuxième génération en les améliorant et en apportant d'autres choses au-dessus. Là où pour moi, Sims 3, ils sont allés vers un truc qui sur le papier était une bonne idée, c'est-à-dire faire une sorte d'open world Sims, et qui en fait nous font en jeu, c'était chiant. C'était chiant et puis c'était pas toujours super bien optimisé. Voilà. Donc préférence Sims 4. Alors, question de Holyman, est-ce que Yui pense faire des lives solo pour la Red Fox? Alors ça, c'est une bonne question. Malheureusement, c'est une question de matériel et de connexion aussi. Moi j'aurais bien voulu pouvoir faire des lives. J'ai déjà plusieurs idées que j'avais en tête, ça aurait été faire des lives sur Pokémon Showdown, donc et plus stratégie Pokémon, des lives sur Super Smash Bros, des lives horror aussi, ça j'aurais bien voulu faire, mais le problème c'est que j'ai pas le matériel adéquat et j'ai pas une connexion qui tient la route, contrairement à Mace. Et peut-être que si ma situation évolue dans les mois qui viennent, peut-être que je pourrais, mais c'est vrai que j'aimerais bien, mais malheureusement aujourd'hui je peux pas. Et après, en attendant, dans la mesure de possible, sachant que c'est compliqué parce que Yui doit venir chez moi, tout ça, on va quand même essayer de faire des trucs avec Yui où c'est Yui quand même qui est mis en avant, mais qui viennent chez moi, quoi. Ouais. Ça sera pas non plus un live de Yui tout seul, mais que ce soit un peu plus. Yui tout seul dans sa chambre. Yui dans sa chambre, qui fait des podcasts. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu viendrais chez moi. Ouais. Je serais là aussi, mais ça serait peut-être toi qui jouerais. On réfléchit à ça. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faudrait qu'il vienne chez moi pour faire ça, et c'est compliqué. Déjà qu'il vient une fois par semaine pour les pas de live, c'est déjà une organisation. Ouais, on reverra. Alors, Team Trou ou Team Caillou? Je comprends pas la question. Des Andana, Team Trou et Team Caillou. Est-ce que tu comprends la question? Bah, Team Trou, Team... Oui, non, mais je veux dire, tu comprends pourquoi... Non. Mais moi, facilement, c'est Team Trou. Je suis le vivant. Team Trou. Je vais dire un caillou, alors. Donc Team Caillou. Ouais. On va pas s'entendre. Question de Holyman. À la Japan Expo, tu pourras nous faire des stay drôles et des abos? Non. Quel enfoiré. Oui, c'est possible. Stay drôle. T'arrives à le refaire un peu moins quand même. Oui, parce que j'ai pas crié trop fort non plus. D'accord. Et moi, je ferais peut-être des... Abos. Mais je n'ai pas compris. C'est ce que j'aurais dû faire sur la question d'avant. Mais je n'ai pas compris. Ah, et des bravo potato, ta danse de spion. Ah oui, c'est la suite de... C'est la suite de la question. Ah, et des bravo potato, ta danse de spion avec des quids. Bref, tu peux être Yui à la Japan. J'y suis Yui. Je voudrais faire sur un fond noir avec la police blanche. Je suis Yui. Voilà. On n'est pas sur le bon... Ah merde.
Ah, mais tu as un problème avec le chat aussi. Ah, Goose, c'est bizarre. Ah, ne me dis pas que tu l'as préparé que sur un seul écran. En même temps, c'est toi qui as géré ce moment-là, le chat. Ah bon? Ah bon, oui. Eh ben, je n'étais point au courant, dis donc. Alors, You à la Japan, tu nous feras des câlins. Bah écoute, si ça peut te faire plaisir. Tu es trop en toute gentil. amitié, bien sûr. Alors, au fait, salut à Castor qui nous a rejoint. Si vous amenez à jouer ensemble, ça ira. Alors, on ne veut pas entretenir le fantasme, mais ça. Non, non, dis pas ça, parce que sinon, ça va faire l'effet inverse. Alors, et des autographes et des mugs. N'importe quoi. Bref, blind test. Mais c'était drôle de Yue. Moi, aucune team. C'est bon, c'est au niveau du chat là? Oui, c'est Bravo, bon. tu es merveilleux. Et oui. Je suis un Alors, être merveilleux. moi, aucune team, je suis comme Panda, je suis une thug. Oh, Ah. smoke weed every day. Alors, hashtag je suis Yue, à la Japan, je lui ferai pas de câlin. Bah oui, ils sont pas le même jour. Je peux pas venir à la Japan. Monsieur, je trouve Yuace. Alors, nous allons faire le blind test. Po-po-po-po! En Qui donc sachant. est spéciale cette semaine? Et on vous laissera découvrir en quoi elle est Voilà, spéciale, mais n'oubliez pas que c'est vous une comprendrez émission. très vite. N'oubliez pas que c'est une émission spéciale troll. L'objectif, c'est toujours de deviner la musique. Et là. Mais cette semaine, oubliez les règles, le nom de complet de l'œuvre, etc. Parce qu'il y a des trucs qui viennent pas vraiment d'œuvre. Donc, juste donner la réponse Ouais. le plus vite possible, avec le plus de détails possible. Et vous gagnerez juste en fait un point, quoi. Et puis, Voilà. voilà, il n'y aura pas de 3 points, 4 points, machin. Voilà. Assez basique, mais bon, on est Je vais obligé. partir loin du coup, il fait peur. C'est parti, mon kiki. Voilà, ce sera l'aléatoire qui nous dira par laquelle on commence. Hey, Louis, Joe. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe déjà? Non, c'est pas trop lolo. Parodie Baby de Zamasu Squalala fait la réponse avec Oliman. Bah, du coup, c'est Nemal qui gagne parce que c'est celui qui a donné les deux, quoi. Ah, oui, mais c'est pas Baby. Ah, oui, c'est vrai que c'est pas le nom. C'est pas Baby. C'est Marc Edouard, c'est Si vrai, mais c'est quelqu'un pas le peut nom. Nous donner le. C'est vrai que c'est pas le nom de la musique. Ouais, c'est pas le nom de la musique. Mais à l'envers. Vous nous donnez le nom de la musique. Non, c'est même pas Mémé. Je sais que j'arrive même pas à faire la musique sans normal. Mais c'est ça que c'est pas le nom, c'est de la parodie de Baby, c'est Marc Edouard, on est d'accord. Vous avez deux informations pour trouver le nom exact si vous ne l'avez pas. Donc là, je vais pas vous mâcher plus le travail. Là. Extraordinaire de Marc Edouard. Merci Oliman. Bravo un Oliman. Point. C'est dommage qu'on ne laissait pas à l'endroit. Pourquoi? Pour que les gens puissent se rendre compte de ce que c'est. Je connais ça. Qu'est-ce qu'on se met? Alors. Alors, c'est quoi cette musique? En allemand. Oui, mais c'est un peu ça. Meg. Digimon. Oui, c'est ça, Digimon. Ouais. Mais passe pas tout de suite, on laisse nous profiter du. Je sais où ce que tu veux entendre. Ça n'a pas de sens. Bravo! Marque les noms à l'envers. Marque les noms à l'envers. Alors attends. Peut-être pas déconner non plus. Holyman. Ça fait Holyman, ça fait un. Je connais pas le titre de celle-là. Bah, c'est Holyman qui l'a en fait. C'est ça le titre? Bah je crois hein. Bah, c'est ça. Tu la trouves comme ça sur les. Bah, moi je pense que c'est ça. C'est complet? Alors. Ouais avec le score, enfin, pour moi je la compte bon quand même, c'est hé, quoi. Ah, j'ai pas mis la réponse moi de pourquoi lui. Ah d'accord, t'as mis la mignonne, d'accord, t'as bien. J'ai pas mis la réponse depuis le début, excusez-moi. Alors le premier c'était quoi déjà? C'était extraordinaire.
Extra. Il y a eu d'Extraordinary, Digimon Ordinary, et... Mark Edward. Ça, c'était le premier. Digimon. Opening 1. Et là, c'est Hey, 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 je sais pas quoi là. Faudrait vérifier qu'on demandait parce que j'ai l'impression qu'on est plus que tout à l'heure. Hey, je sais pas quoi. Hey, Prochaine musique. Faut que tu me dises ce que c'est ça parce que. Quoi? Je peux pas mettre hey, bah, hey, hey aux gens. Bah, Iman quoi. Iman? Ouais, voilà. Comme ça? Oui, comme ça. Ah oui, non, mais qu'un E. Voilà. Au passage, on est 23. C'est vrai, le PV7, c'est pas le nom. Ah, c'est... Enfin, non, c'est pas ah le oui, mais bon, c'est. Il y a même contre Freezer. C'est ça, Mewtwo contre Freezer, EPV. Freezer. Un point pour les mêmes. Bravo. C'est trop devenir fou comme ça, on commence à ça. Attends, Nemel. En même temps, Nemel, c'est le pro des FPV. Oh, Squalala! Bien joué, Squalala! Un point pour Squalala! Je laisse un petit peu la musique. Hein. Alors là, Squalala, pour écrire à l'envers. Ouais. Alors. Amuse-toi. Ouais. Attends. Allez, on passe à la suite. Comme ça, non Écris-le. Ah, oui. Ouais, c'est tout bête. C'est pas le nom, mais ils ont dirait du Maître Gims. Oui, c'est Holyman qui a raison, c'est juste Friday. Ah, si quelqu'un peut nous mettre en plus le nom. Ouais, le nom de la chanteuse, allez. Le nom de la chanteuse avec, quand même. La chanteuse. Du truc qui chante. Mais c'est quoi ces machins, je connais pas la moitié. Ah oui, parce qu'en plus on a choisi des trucs d'internet complètement... Petit Perry, non. Ah, salut jambon. C'est pas du tout. Bon, tant pis, c'est Rebecca Black. Mais... C'est pas Rebecca Black. C'est pas une grosse paire. Bon, un point pour Holyman, c'est ça. Non, c'est Holyman. C'est Holyman. Que tu mentes. Ah oui. C'est ça? Ouais. Jusqu'au Goku est la réponse. C'est pas la souffrance auditive. Ouais, mais décide-moi quel version le tchat là. Je donne le point ensuite, parce que Tchala c'était facile à trouver. Je donne le point ensuite, il me dit c'est quelle version. Aucune idée des Z, ouais, comment. Tchala, Konata version. Ouais, ça compte, c'est forcément du personnage. Ça compte. C'est vrai, c'était Lucky Star parce que c'est le nom du manga, mais c'est Konata qui chante. Bravo! Bravo, Kuro! Version de nous des DBZ, oui, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. On ne voudrait pas les couettes de Mace. Ah, on y est presque, on était 23 ouais. Tout à l'heure. On est peut-être même passé à 24. A plus, Panda, merci d'être passé. Ah, mais non, il y aurait déjà plus qu'une seule, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah oui. Ah non, 2. Ah okay. Oui, c'est celle-là. Regardez les viewers, les gens. Attends, non, mais je crois que t'as pas tout. Ah, j'ai pas tout. Ah, le brevet. Ah, bah bon courage pour ton brevet.
croise les doigts. Non, toi, t'as pas tout. Ah bon? Ah si, moi, ça m'arrête, ça sert bien avec des... Vas-y, je te laisse. Ouais, 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 ouais. Bonjour. Et bravo à Nemel, c'est bien de saouler Tété. Beaucoup nos Pico, oui, c'est bien beaucoup nos Pico. C'est Nemel qui a le poué. Encore beaucoup nos Pico. Toujours. Toujours. Allez, dernière musique parce qu'aujourd'hui on en a que 9. Attends. Excusez-nous, c'était une émission après Paris. Quand même, vous trouvez vite, hein. Ouais. Je sais pas si vous faisiez comme ça. Ça, je connais, parce que m'étonne que Namel, il connaît beaucoup nos picots. Hein. C'est facile, ça. Ah, ok, bravo. Bravo. Ah, bon, Namel. Ah, Kuroku, t'avais trouvé vite derrière, oh là là. Ouais. Eh ben, putain. Bon, du coup, qui c'est qui a gagné? Qui c'est qui a gagné? Qui c'est qui a gagné? C'est Oliman. Non, c'est Namilo. Il a 3 points. C'est Namilo. Namilo, 3 points. J'aime, 1 point. J'aime. Ah, oui, bah, le Men. Le Men, 3. À la Lox. À la Lox, 1. Et Ukoruk, 1. Ukoruk. C'est pas tout ça, mais. Un début, je pense qu'on était quand même très speed. Quand même. Ouais, je crois qu'on a été un peu trop speed. Mais bon, on était tellement. Pumpman. Bah, c'est l'heure de la pause, du coup. Quand c'est des musiques de merde, je gère. C'est l'heure de la pause, après on revient avec Sumotori. Avec Sumotori. Et c'est qui ça et c'est quoi ça? Version troll. Ouais, version troll aussi. Alors, à quoi ça va ressembler? Ah, mais c'est pas. Calmez-vous, les mêmes ça fait Le Pen. Bref, pause, on vous laisse avec Monsieur Trollolo. Pendant que nous, on souffle. Ouais, on va faire pipi. Ah bon? Oui. T'es pas obligé de le dire, hein. Je vais faire pipi. Allez, à tout de suite. Les mêmes et Namilo au coude à coude. Alors, tu l'as la musique?
Nous revoilà! On perd trop de monde! Qu'est-ce qu'on nous dit? Yeah! On pourrait avoir la version UE de Nemel quand même! Ah! Et Quatmei se ramène du monde! Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Par contre, ce que je vous dis. Alors, n'en profitez pas pour partir! Non, le dis pas tout de suite! D'accord! Voilà! Je le dirai à la fin! On sera déjà à 35, au moins si certains étaient restés. Ah bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Ah oui, c'est bête, hein. Est-ce qu'on peut pas savoir cumuler combien de personnes est venues différentes, attends, je veux dire. Et restez pas avec la fenêtre ouverte si vous partez, bande de cul. Pardon. Quoi? Je ne sais pas. Alors, quel est ce jeu? Ce jeu, ça s'appelle Sous-Motoris. Peut-être un peu le son, je pense qu'il était un peut-être peu fort. Peut-être. N'hésitez pas à nous dire lorsque le son est trop fort. Sinon, on peut pas s'en rendre compte. Live troll, bah oui, c'est un spécial troll ce soir. Oui, oui. Allez, vas-y. C'est Dana qui remarque ça au bout d'une heure, quoi. Ah bon? Ah bon? Parce que Cat Mario, c'était pas du troll. Sous-motori. Et Wink, qui a l'air surpris, qui fait Sous-motori, 3 petits points. 6 total. Donc, quoi de troll? 23. Oui, mais... Allez, vas-y, mais ils sont commence, là. Oui, donc... Alors, on explique, oui, donc c'est un bon... Alors... On va lancer le jeu, on va expliquer. Donc, je crois que toi, tes touches, c'est ça et ça. Ouais. Et moi, ça sera ça et ça. Alors, attends, moi, donc, c'est quoi les touches? C'est des combats de complètement débiles. Où il faut se pousser et tout, il faut gérer le personnage de manière complètement con. Alors, moi, je suis le gris, toi, t'es le bleu. Attends, il se relève tout seul? Non, faut appuyer sur space. Ah bon? Mais non, il se relevait tout seul dans la vidéo. Ah, bah, je sais pas. Tu vois qu'on essaie de se relever? Non, parce qu'il faut se pousser, hein. Ah, d'accord. J'ai eh pas... oui, excuse-moi. T'es pas dans ton ribache, hein. Je ne connais pas. T'es pas dans ton rivage, mon ami. Je connais pas, d'accord, il faut vraiment... Et en gros, le but, c'est de... Attends, parce qu'il... Pourquoi il... Qu'est-ce qu'il nous fait, lui là? Bah du coup, là, t'as gagné, là. Ouais, ouais. Mais il veut pas tourner. Mais en fait, mais comment est-ce... Mais... Allez, vas-y, je te défonce. Mais là, t'as gagné. Pourquoi le jeu ne dit pas que t'as gagné? Mais c'est pas grave. C'est pas grave, t'as gagné. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Donc, du coup, il faut être fair play. Ah ce ah qui n'est pas dans tes habitudes. Allez. On fout, je suis pas sorti entièrement. J'ai encore la tête à l'intérieur, les bras, non. Vas-y, attends. Put your hands up, put your hands up. En fait, faut qu'on déclenche. Oh, mais ça... Non, sors pas, s'il te plaît. Non, mais il s'est suicidé tout seul. Allez, vas-y. Attends, faut attendre. Voilà. Putain. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais... Ils sont tout seuls. Attends. Attends. Cet éclatage! Quoi? Mais regarde! En fait, pourquoi on se bat? Je ne sais pas! Allez, vas-y! Mais pourquoi? Qu'est-ce qui. Non! Regarde! Fais le flop! C'est quoi le fait le flop? C'est quoi le flop? Techniquement, c'est un pied sort, t'as perdu. Ouais, mais là, on va faire nos propres règles. Faut que le corps entier sorte. C'est déjà assez dur comme ça. Attends. tu peux éviter de me... Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Tu peux éviter de me mettre des mains où je pense. Allez, vas-y, je te pousse. Mais vas-y, me tape. Tu veux dire un gros gogol. Qu'est-ce que tu fais? Mais regarde. Mais, non. Mais je comprends, c'est que des fois, j'ai l'impression que qu'il avance tout seul. Attends. Oyo! 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 Elle toucherait ma nante. Attends, voulez-vous que tu... Non. Allez, relève-toi, s'il te plaît. Vas-y, sors. Non, mais... Sors, t'as plus le temps. Sors, t'as plus le temps. Attends, regarde. Surtout qu'on a d'autres niveaux à tester après. Oh, putain. Mais pourquoi il recule? Oh, comment j'ai fait ça? Mais non, mais regarde, il tombe tout seul. Alors,
Oh nice mace, self-destruction himself, on dirait des potins, des pantins d'enfants, on dirait des chats qui se tapent, ivrogne sumo simulator, c'est ça. Attends, je me... toi, tu joues même pas que je suis en train de tomber, me relever tout seul. Wesh, le retour des mains au cul, bah si tu savais. Mais qu'est-ce que tu fous? Oh viens, on essaye pour le dernier coup de s'éjecter carrément de la map. Comment ça? Elle est tout au bout de la map en fait. D'accord, on doit sortir du départ de la map. Le premier qui sort de la map. Ah bon? Vas-y. C'est bizarre ton histoire. Ou alors, si tu veux, je te... Bon, vas-y. Là, je suis parti. Allez, enlève-toi là! Allez! Ah, c'est moi là! Mais non, mais carrément de l'autre! Ah, d'accord! Je pensais que tu parlais du périmètre. Mais non! Périmètre. Allez, relève-toi! Pourquoi il se relève pas, moi? Finesse, vas-tu faire mettre Easy Beard? Allez, vas-y. Non, mais tu fais un pas! Tu fais un pas, il s'écrase! Ouais, mais... Non, mec! Oh ouais, mais comment tu veux jouer dans ce jeu? Vas-y, on change de map. Les personnages. Alors... Ah, mais c'est nul, y a pas de plante, je me bats. Oh là là, une baston en boîte à 4h du mat. Ah ouais, non mais... Si tu savais... Non mais c'est la baston du... Si tu savais jouer, mais pourquoi tu te barres du ring? Master, y a pas panda, donc pas de plante. Mais si, y a les plantes. Alors bon, par contre, les maps, y en a plein, donc on les connaît pas, donc ça sera du total au hasard. Hein. Alors... Oula. Oula. Oh, il est triste, celui-là. Oui, il est triste, hein. C'est la triste tout net. Là, il faut faire bas, hein. Ah, pardon. C'est vrai que ça a changé depuis tout à l'heure. C'est triste comme arène, ça. Oh ah d'accord. Ah d'accord. En fait, c'est pas mal comme map. D'accord. Tu crois qu'il y a souvent ça? L'émergence, c'est rien. J'espère qu'il y en a plus des explosions. Allez, vas-y, je te défonce. Allez, viens. Allez, vas-y. Oh, punaise. Relève-toi, je sais que tu peux le faire, suicide-toi, allez. C'est comme ça que j'imagine Yue et Mace en vrai. Ouais, je te jure, tu vas pas être déçu, hein. On avait dit non. Oh. Ça me fait penser... T'imagines, à la Japan, on arrive comme ça. Panda vous inculque aux plantes. Mais elle a raison, Poutine après une réunion du G20. Bon, cette map, elle est quand même un peu chiante. Même si c'était drôle au début. Alors, attends, on va essayer de trouver mieux. Quand alors, même. Tu mélanges entre un jeu de sumo et de démineur. Non, mais c'est ça. Ah, ouais, voir ça. Sachant qu'on peut jouer avec des computers. Allez, vas-y, on se met des computers. Oh punaise. Qu'est-ce que c'est, ça? Je sais même pas lequel je suis en fait. Toujours le même, je pense. C'est-à-dire? Bah, le bleu. Ah, oui, je suis le bleu. Toi, tu es lequel? Le gris. Le gris. Oh punaise. Oh, oh mais ah, décidément. Attends, ouvrez, attends. Bon, j'aurais un peu essayé de les activer, mais bon. Et tu crois que on va... Non, mais on voit rien. On voit rien. Je suis là. Moi, est-ce que je suis encore dedans? Ah oui, parce que ça fait pas un trou. Oh là là! Mais je pensais qu'il y aurait un trou, moi. Ah, moi aussi, en fait. Mais... Ah, c'est décevant. Mais en fait, c'est quoi le but de ce jeu? Viens, on change de map. Ça ressemble à rien. À la Japan, je fais un cosplay de Sumotori. Ah bah, c'est un beau cosplay. Qui c'est qui fait ça? Nemel. Ta position de départ du marron et du blanc est assez bizarre. 4 mecs dans allez, une oh, vite. Oh, punaise. Oh, punaise. Oh, oh non, oh non. Tu nous as fait un... Qu'est-ce qu'il fait, là? Mais non. Qu'est-ce qu'il fait? En plus, la caméra vous suit, quoi, le truc horrible. Merci, tu m'as intercepté. Attends, je vais te pousser. Non, mais moi, je suis une grille. Hein. Ah, merde. Bah oui. Je sais pas ce que tu fumes, toi. Mais non, mais il est en train de me violer, le mec. Le verre au sol, il m'écrase. Il a aucune pitié. Ah, attends, j'ai peut-être tombé. Enfin, je sais pas. J'arrive pas à comprendre ce que je fais. Ah, c'est j'arrive. Non, non, y'a moi. Bon, attends, je te rejoins. Si j'y arrive. Je vais recommencer cette map, non? J'arrive! Attends! J'arrive! Ah, oh, oups! Le téléphone tu sonne! Pas mis en mais non! Mais j'arrive, Mace! Mais pourquoi? Mais regarde! Mais le mec, pourquoi il vient pas? Ah, ouais, si, il vient. Oh là, c'est violent comment il arrive! Ouais, il m'a poussé!
Oh non, mais c'est... Attends, on la recommence. Hein. Attends, moi je vais m'écarter. Putain, je tombe en premier, quoi. Oh punaise. Vas-y, ah, attends. Comment hein? Bah, c'est Z. Ouais, c'est bizarre. Ah non, attends. Alors, parce qu'on y a le problème des touches rémanentes. Ouais, je pense que c'est bon, là. Sept téléphone. Youi, il a reçu un portable. Oui, j'ai reçu un portable. Sans bot, ça te va tout bon, peut-être. T'as raté un truc, hein. Un moment. Ah oui. Un viandage dès le début. Oh là là. Oh, le verre. Youi, mets des plantes, vite. Un combat de sumo sur un toboggan, ça finit en partouze. Il y a le perso vert, c'est comme des plantes. Oh, mais moi, je suis tout seul. C'est bon, j'arrive, j'arrive. Forever alone. Alors, remonte. Après, faudra en essayer une autre. Vas-y, on en essaye une autre, vas-y, change. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il faut, en fait, à chaque fois, il faut quitter le jeu, en fait. Carrément? Ouais. Pour changer de map. Carrément. Allez, c'est parti. What? Ah, ah, tu crois qu'il faut monter sur le... Oh putain. Ça, je sais pas si, ouais, c'est pas si on monte là-dessus. Mais non, mais mon personnage n'arrive même pas à se relever. J'ai l'impression que c'est ce qu'ils essayent de faire, hein. Ah, mais je crois que c'est ça qu'il faut ah faire. Ah non, c'est juste le trampoline. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est toi. C'est moi, j'arrive non, pas à me relever. Tu montres des fesses, ouais. J'arrive pas, arrête de te mettre sur moi. Je sais que t'aimes bien, mais n'exagère pas. On a une réputation à... À tenir. Allez. Pourquoi mais oui, peux... mais non. Pourquoi je peux plus te taper? Je sais pas si on peut taper dans ah, cette map. Ah ouais, à mon avis, cette map, on peut pas taper. Mais c'est nul. Attends, je... Bon, attends, je te pousse. Mais arrête. Bon, allez, oh mon dieu. Maze, il va se confirmer. Maze, quel but, tu es? Les Power Rangers ont bien changé, tu m'étonnes. Il a fallu quand même le spécial troll pour voir ça. Pour voir que quoi? Quel butage de Maze. Quel butage de Maze. Quel butage de Maze. Ah. Ah ah. On se bat dans un restaurant. Pardon. Oh, mais t'as cassé la chaise. Attends. Vite. Relève-toi. Relève-toi. Pourquoi il tombe? Je sais pas. Je avance vers l'avant et puis il fait un... Regarde-le au moins. Regarde, il sait plus quoi faire. Il tombe vers l'arrière. J'ai l'impression qu'il bouge un peu tout seul. Allez, j'arrive. Non, même pas. Non, mais sérieux. Non, mais je suis bien le bleu, là. Oui, t'es toujours le bleu. Je fais des trucs que je maîtrise même pas. Bah c'est ça justement, c'est ça qui est bizarre. Allez, vas-y, monte. Non, je pense qu'il faut avancer en donnant des coups de poing, je crois que c'est plus fiable. En fait, non, c'est pas beaucoup plus fiable. Absolument pas. Oh, on peut pas faire space pour... J'essaie de te faire un coup arrière. Allez, vas-y, je te plaque. Oh putain. Je te plaque. Ouais, je t'attrape les burnes. Non. Non. Je te fais un croche-patte. Ça ne ressemble à rien. Caméra magique. On ne dira pas à quoi ça ressemble. My God. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ne me pousse... Non, allez, mais... Allez, vas-y, vas-y. Le sommet, c'est quoi, Panda? C'est pas un resto, c'est un bar, bande de... Ah, c'est pour ça. Les sumo n'ont pas le même centre de gravité. J'arrive pas... J'arrive comme ça pour le bac perso. Peggy 18, simulateur de viol et de partouze, mais il s'attrape les viandes de Yue. Il a plaqué pendant leur rendez-vous au resto, c'est trop triste comme histoire. Date combat d'omelette, pourquoi? Quoi? Ah mais merde. Arrête de me pousser, je sais pas. Mais je peux pas exprès, pas j'ai dit... retourner. Regarde, moi je vais t'apprendre à te retourner. Et oh. Tu te mais c'est vrai qu'on dirait trop des mecs bourrés. Regarde le mec au comptoir. Pourquoi je suis toujours de... Mais vire ta main là. Allez vas-y relève-toi. Non, on voit plus rien, ça n'a plus de sens. Allez vas-y. Allez vas-y. Allez oh là là. Le mec oh. Il se relève. Ah bah non. Allez vas-y. Eh, hey, je suis pas bourré. Regarde, j'ai marché là. Pousse-toi. Regarde.
Mon dieu. Trop de sexe dans ce jeu. Yami, tu veux qu'on parle de replay? Oh mon dieu. De quoi tu parles, Castor? Vire ta main. Quoi? Quoi? Pourquoi on est collé? Oh punaise! C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Je jage? Ok. Map un peu étrange. Merci pour cette map extraordinaire. Dans le cadre de la sécurité routière, vous et quelques litres de substances alcoolisées dans le sang. Salut JB, au fait! Vire ta main. Mais les mecs qui ont développé ce truc, ils ont pris quoi au juste? Je sais pas ce qu'ils ont pris, mais c'est pas mal et je trouve ça plutôt cool. Oh non! Oh, ça va être n'importe quoi ça. Ah, on peut quand même casser. Mais... Oh, punaise. Moi, je te soulève. Eh, hey, j'ai pas intérêt à mourir. Si je meurs à cause de toi. Comment tu veux mourir dans ce jeu? Non, mais tu me pousses. Regarde, moi, je vais te casser la barrière. C'est plutôt la barrière qui t'a cassé. Je comprends pas pourquoi ils deviennent fous comme ça. Attends. 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 Sérieux, tu t'es pris ici. Mais c'est moi qui ai cassé la barrière. Regarde, vas-y, vas-y. Regarde. Oh là là. Sérieux, regarde. Regarde comment ils marchent. Ils se retournent. Ils sont tous... C'est l'amour, vous avez battu le terrain de l'alcool, Neko, pour ressentir la même sensation que leur perso bourré. Alors, nouvelle option au permis de conduire. Au permis de conduire, les gars. Et Maes a tenté de s'auto-sucer. Putain, go créer un jeu en coop avec les mêmes persos. Ça se trouve, c'est votre PC qui est bourré. Non, mais t'as vu, je fais rien en plus, Maes, il tombe tout seul. C'est plus de la motion capture et l'Oculus Rift. Mais tu m'attrapes la jambe là. Qui dégueule le plus vite? La levrette. Oh mon dieu! Allez, vas-y. Allez, je te propose une dernière approche, une dernière tentative d'attaque. Moi, je me casse. Mais tu t'imagines, c'est... Les sous-motoristes, c'était quand même assez agile. Qu'est-ce qu'il fait? J'attends que tu te relèves. Allez-y, je vais t'éjecter là. Je t'éjecte. Non, mais je te tape comme. Alors, en levrette, ce jeu moins de vie vous fera découvrir les merveilles des gueules de bois et de la partout. On sait que t'es mineur, petit, mais on dira rien. Je suis 100% validé par le patron. Salut Obélix et bonne soirée. Allez, bonne soirée. C'est la violence. Mais j'ai pas réussi à t'éjecter, hein. Ah putain. Oh punaise. Oh, la tête dans le cul quoi. Tu t'assois sur mon... Oh, non, il fait quoi, il fait quoi? Le mec, il est venu attaquer. Oh. Oh, cet échec cuisant quoi. Aïe 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 aïe. Oh la vache. Salut Herseur qui nous a rejoint. Qui ne s'est pas encore manifesté, mais il nous a rejoint. On sera 4 ici. Allez, vas-y. Je vous tout défonce tous là. Non, non. Attends, peut-être que le marron il va se suicider. Ouais, le marron il est parti. Ah, mais il y a le château. Dans le château de Jade. De Jade. De Laz. De Laz, putain, mais de Jade. Jade, t'es autour ça. Dans le château de Jade. Oh putain. Ah, la suite a été super brutale quand même. Mon problème c'est que je vois plus rien en fait. Mais je vois même pas où je suis. Quoi? Attends, il faut que j'éjecte le verre. Qu'est-ce qu'il fait? Ah merde, c'est que j'ai pas un... Bon, je vous rejoins parce que là... Mais le marron il est en train de... Je sais pas. Le marron il a... Oh non, elle tombe pas de l'autre côté, s'il te plaît. Hein. C'est bizarre, c'est que dès qu'on s'arrête, il a tendance à tomber, c'est... Alors, le nom du jeu SVP, il s'appelle Sumotori, le jeu. You will win. Fatality. De la fatalité de la tête dans le cul et de la chute ridicule.
Pikachu attaque tête dans le cul. Oui, Panda nous ferait les pubs géniales. Le château de Jade. Non, pas le château de la pute. De quoi, c'est quoi le rapport? Ah, punaise, je jouais plus, mais je suis le seul à avoir à être tombé. Le marron, il viole la barrière. Le marron, il fait un AVC. Depuis tout à l'heure, ouais, ça y va, quoi. Et puis, ouais, le verre, là, il réfléchit. Là. Le verre, il réfléchit sur le sens de sa vie. Il se birde. Putain, le pied sur la mer. Alors, il aurait pu s'appeler, il aurait dû s'appeler Sumo Bourré, ouais, c'est clair. Ouais, allez, on change de... Ouais. Ah, oh, putain, ah, en plus, c'était des maps. Oh, mais il est génial, ce jeu. Enfin, il est génial, mais concrètement, on fait rien. Quoi. Concrètement, il n'y a rien, mais c'est ça qui est drôle. Par contre, ce qui est chiant, à chaque fois que tu dois repasser par ce menu-là. Oh, c'est pas grave. Oh là. Oh là là. Oh punaise, oh punaise, oh punaise. Heureusement que je marchais tout droit. Bah, hein. On est déjà parti. Ça te fait rire? Et le bleu aussi. C'est moi le bleu. Oui, mais je sais. Oh putain. Moi, je suis où? D'accord, j'étais encore en haut. Moi, je me vois plus. Allez, vas-y. Allez, le bleu. Oh. Au revoir, le marron. Moi, j'adore cette carte. En fait, tu sais, en fait, faut virer les gens carrément de la map. Ah oui, il faut virer les gens de la map. D'accord, en fait, je comprends un peu mieux. Oh, punaise. Ah bah oui, c'est ça le concept. Ah ouais, mais c'est chaud. Ah bah, tu mets un peu 2-3 heures, des fois. Ah, tu m'étonnes. Si tu joues avec des PC, si tu joues avec Mace... Bah vas-y, viens. Oh là là. Oui, mais bon, regarde, moi, je suis handicapé par la caméra. Mon bonhomme aussi, il fait des trucs bizarres. Allez, vas-y, on fait un bon arrière. Je propose de changer de monde, parce qu'on n'est pas prêt de finir. Attends, on va recommencer. Yes, ces images, c'est ton esprit qui voit les viols. Essaye d'arriver au centre sans tomber. On a retrouvé Katsumotori sous les décombres. C'est ça. Les idéales se battent là. Oh, putain. Moi, je vous regarde. Putain, t'es un salaud, toi. Allez, non. Putain, mais qu'est-ce qui me j'ai fait provoqué la chute. Tu me fais le marron, là. J'ai provoqué la chute. Mais non, mais qu'est-ce qu'on... Le pire, c'est qu'il la provoque vraiment. Mais on se met sous les décombres. Il monte son cul, là. C'est toi l'autre. Hein. Non, le vert. Par... Ah oui, pardon, c'est vrai. Le vert, il est bloqué, quoi. Et par... Mais moi aussi, moi je suis mort. Hein. Ah, moi, je suis définitivement décédé. L'avantage, c'est que je pourrais pas tomber dans les décombres. Je pourrais pas tomber du niveau. Il peut pas se relever, il t'a moqué de décombres, en fait. Non, moi je suis décédé. Officiellement. Ah si, regarde. Ah si, regarde. Yo a survécu. Alors, on vous avait dit que le Népal, c'était beauf pour les jeux Motori. Le caméraman a pris divers de trop aussi. Alors, vous voulez pas changer de perso, je suis sûr que le vert il est Je suis bloqué. En fait, ces mecs sont constipés, non, le vert il est mort. Là, le bleu aussi, mais le bleu c'est moi. Ouais, non, mais là t'es mort là. Non, regarde, j'ai encore les bouges. Genre, je bouge. Alors, il y en a un qui se masturbe sur le sol, ok. First I was afraid, I was petrified. Soccer physique. Allez, vas-y. Oh putain, oh putain. Oh non, un match de foot. Quoi. Allez, vas-y. Pardon. Ah, mais il y a vraiment des cages en plus. Bah oui, t'as pas vu. Allez, vas-y. Thierry Henry. Tiens, plus personne ne le connaît, Thierry Henry. N'empêche, on joue un jeu de foot, on peut pas contrôler directement les pieds, c'est quand même pas mal. Je vais marquer un but, hein. Je vais marquer. Allez, vas-y. Je préfère marquer contre mon corps. T'es trop mauvais, Mace. Oh punaise. Alors, et tu débarques d'une autre planète, tu crois que je vais faire la fête? Mace viole la cage. On l'a retrouvé. Salut, je m'appelle Ahmed. J'aime tous les sports. Oh non, punaise, le ballon, il est parti. C'est moi qui vais mettre le but. Non. Non. Je proteste. Je proteste. Toi, dégage. Oh putain. Tu veux pas recommencer parce que le ballon, il est trop loin, là. Mais il est où? Il est loin. Bah attends, je vais chercher. Tu dis il est loin, mais en fait c'est juste parce qu'il est pour jeter cage, espèce de tricheur. Mais non, regarde. Ouais, là-bas. Merde, bon d'accord. Ah, on peut pas? Non. Ah, trop tard, moi je suis parti. Oh, cette espèce de vieux tricheur. Tiens, bien fait. Oh, me fais pas tomber là. Me fais pas tomber. Oh, les champions! Oh, on est tous ensemble! Allez! Il y a faute! Allez, vas-y!
Moi je dis il compte pas ce but, t'as trop triché. Oh, je fais péter les gars. C'est n'importe quoi. Cette violence, fais-le hors de ma vue. Maintenant, va-t'en, ferme la porte. Vas-y, Yui, rampe. Lorsque le sumo bourré joue au foot. J'aurais dû changer de chaussure et bien te reprendre les clés. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je crois que c'est une course. Ah, c'est parti. Pardon. Après, je sais pas exactement ce qu'il faut faire. C'est la boule magique. C'est nul le foot. Ah non, je sais pas ce qu'il faut faire. Il faut avancer. Ah, il faut arriver là-bas sans tomber. Sans tomber. Ce qui n'est pas ton cas. Oui, non, mais toi, t'es tombé dans le vide carrément. Chut. Regarde. Laisse faire l'expert. Tu m'as mis du coca dessus. Dans du. De l'extrait de. De coca. Regarde, moi j'y arrive. Oui. Moi, je veux qu'on recommence. Je suis bon. Je suis bon. Ouais, bon, t'as gagné. Voilà, j'ai gagné. Et pourquoi on peut pas la recommencer, moi? Alors, boule magique. Enfin, c'est là je veux la recommencer, moi. C'est nul le foot. À quand du Windsurf Sumotori? Y'a faute, monsieur. Même si... Mais si on connaît Thierry Henry. Des échecs Sumotori, mais tu t'imagines? C'est plein de boobies. Ah, c'est clair que le jeu, il est plein de boobies, hein. Oh, punaise. Mais c'est toi qui as fait n'importe quoi, là. Oh non, oh non. Ça, la pique, c'est l'échec. La pique dans les fesses. C'est plein de booty, de coca, c'est dégueulasse. Qui c'est qui dit ça? C'est Dana. Ah bon. Première nouvelle. Alors... Allez, encore 10 minutes et après on passe au c'est qui ça, tout ça, tout ça. Toilette. Toilette. Le film. C'était drôle. Non. Oh mais non, c'est la même chose. Ah oui. Bon bah. Et oui. Tu avais déjà été attiré par les toilettes tout à l'heure? Je sais pas, il y a peut-être des trucs qui s'appellent pas pareil. Enfin qui s'appellent pas pareil mais qui sont pareils. Moi je vais t'en dire un là. Watch us. Watch our step. Ça? Non. Mais bon c'est pas grave. C'était quoi alors? Trop tard, c'est pas grave. Ah mais on l'a déjà eu. Tu crois que c'est avec les mines encore là? C'est rien. Ah non, c'est juste que ça fait des trous quand on marche quoi. Ah non, oh non, oh non, oh non. Bon, regarde, c'était de la merde. Regarde, je m'accroche à maintenant. C'était bien de la merde. Twilight, celui qui tombe, il doit essayer de casser le sol. Mountain, montagne quoi, là. Ou Minefield. Où est-ce que t'as vu Mountain? Bah, ordre alphabétique, hein. Bah, je cherche, mais. Bonjour, hein. Tu te calmes tout de suite. Oh putain. Pardon. Allez, vas-y, regarde. Le sphère! L'expert! Oh putain. Allez, viens, je t'attends. Allez, viens. Allez, viens! Oh punaise. Non, non, mais attends, je fais plus rien. Oh putain. Putain. Ah, oh, je suis bloqué. C'est une très jolie histoire. Oh ah, j'ai cru. T'as eu de la chance, hein. Alors. Ah si, regarde, oh, t'as la tête la première. Non, mais Kevin, j'ai rien fait. Je touchais même plus aux touches. Mountain of the Lake. Si Twilight s'était passé dans les toilettes, ça aurait été mille fois plus intéressant. Sûrement. Alors. Anyone watching in iOS. Salut, Wild Miner. Je crois qu'il y a un éditeur de niveau, je ne sais pas comment il fonctionne, mais je crois qu'il y en a un. Ah bah à mon avis, oui, mais il est excellent, je trouve, ce truc-là. Ouais. Tu sens la violence, là? Tu sens les strats? Non, 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 non. Pour Azra, celui-là, il est pas très dur. Non, non, non. Ce fait historique. That violence. De quoi? Please, oui, nous avons besoin de 25 viewers. Oh, oh l'enfoiré! Et le Angry Streamer, putain. Et Holyman, il y aura vengeance là. Surtout qu'ils vont croire que c'est toi, du coup, c'est bête. Alors. Mais il veut pas se relever! Trop punaise, non mais. Google Simulator. Allez! Non! Il va essayer de me violer! C'est mal parti pour lui! Oh punaise! Ah! Allez, je te remonte dessus. Il me suit car. Oh, il est la tête contre le mur et le fond au cul, quoi. Tu parles d'un choix? Non, nous, Yu, contrairement à Mace, elle est relativement beau. N'importe quoi. Allez, vas-y! Allez, vas-y!
préfère me taper contre le mur, elle est plus gentille. Allez, vas-y. Comme dit Alice et Moon, j'ai mis une tête de vampire dans mes toilettes, ça fait des toilettes. Tiens, des patates. Pourquoi... Je te mets des patates. Oui, mais je me défends, tu vois, je me défends. Allez, change de monde. Comme les chiens, Yoé se frotte au poteau. La violence. Alors, trigger boom, là, c'est quoi? J'ai peur de comprendre. Tu crois? Ouais. C'est celui qui... Le premier qui arrive. Au milieu. Peut-être. Quoi? Je quoi? Oh la violence. C'est du truc qui retombe, quoi. Maïs, il est en train d'agoniser. J'ai le bras bloqué. Il est en train d'agoniser, Maïs. Coupez-moi le bras. Venez, on va l'achever. Oh putain. Ah, j'ai vu ce qu'il fait de marrant. Il fait... Ah non, mais je vais. J'ai le bras bloqué. Je vais mourir, je vais mourir. Moi, je risque pas de mourir, j'ai le bras bloqué. Non. Ah, c'est bon. Non. 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 Oh, cet échec. Cet échec cuisant. Je sais qu'ils ont copié les mouvements pour faire... Je sais de qui ils ont copié les mouvements pour faire ces personnages Lyonir, mon dieu. Violence. Oh la vache. Attends. Ready? Ready? Go! Are you ready? Are you re... Epic Clash Battle? Non mais là, ils peuvent pas comprendre. Oui, c'est normal. Mais... Alors... De Lyonir quand il était bébé, mon dieu. Alors, c'était sûr... C'est... Surtout, c'était toi qui disais qu'il était au même... Au même niveau que les autres dans les Mess Late Night. I believe I can fly. Plus un Kuro. Je suis sûr qu'il était en stealth que... mode. Quoi? Ah, ah, ah. T'as commencé, il est au même. Mais je suis bloqué. Il est au même. Je vais mourir. You ain't pas de life versus Mess Late Night. Je vais mourir. Je vais mourir. Appeler ma femme et mes enfants. Oh, il est chiant ce moment. Ouais, il était un peu chiant. Parce qu'on est bloqué direct, quoi. Alors, lesquels nous n'avons pas fait? Tellement. Bridge. LOL. Trop tard. Too late. Faut réagir plus vite. Too late guy. C'est quoi? C'est une course. C'est une espèce de course. Oh putain. Tu vas avancer correctement, tu te viandes. Moi je vais avancer. Moi je vais réussir. Oh putain. Oh cet échec. Tu vas mourir. Oh non. Non, ça fait mourir, tu m'accroches. Eh mais ils font ça. Eh mais je vais t'être sérieux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent qu'on meure ou quoi, là? Et puis Yue avançait tout doucement. Tout Yue. Doucement. Yue, cet homme. Epic Partus Battle, va faire un peu ça. Epic Partus Battle. Moi, je sais pas où je suis, hein. Je dis pas. Toi, tu es en train de... J'ai l'impression que tu es en train d'avancer. Oh, mais je vais pas pouvoir avancer. Pourquoi? Parce que... Oh! Si tu vas y arriver. J'ai réussi! C'est pas fini. J'ai réussi, non! Oh, c'est fail! Panda, blablabla, les sables mouvants, l'épopée de Yue, non, non, non! Bon, allez, un dernier. Non! Et après, c'est l'heure du duel! Duel! Yu-Gi-Oh! Surprise, tiens, il s'appelle Surprise, voilà. Alors... Ah d'accord, en fait, c'est parce que le truc, il est planqué, putain. Putain, je vois rien. Ah ouais, d'accord. Surprise! En fait, c'était nul. On peut refaire un autre. Ouais, je te jure, le surprise, il était nul, en fait. Yue se sont rejetés pendant que les autres font un plan trop. Mais non, bon, bah, c'est... Bon, pas le droit de rester. Bonne nuit, bonne partouze, bon viol et bonne couette. Vous me filerez les screenshots SBP. Bah, merci, Dana, d'être passé. Quel screenshot? Et bonne nuit. Bah, éventuellement, t'avais des couettes, mais ce qui ne sera pas le cas, je pense. Yue a réussi. Non. Ah bah non, finalement. On a presque réussi en début d'émission. À toi de jouer. Map. En tout cas, merci d'être passé, Dana, et bonne nuit. J'espère que c'est bien, ça. Non. D'accord. Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Et là, ça fait... Écrasé. Allez, vas-y. Je sais pas c'est quoi l'objectif. Ah, je me repose. Allez, je vais m'écraser sur toi. Ah non, mais... Le mec, on dirait trop un mec bourrette avec sa main sur la rambarde. Oh, ma tête. Oh, ma tête. Oh, je suis bourré. Oh, mon dieu. Mais moi, il va pas... Regarde, il rampe.
Mais regarde-le. Non, mais je pense que c'est foutu pour ce soir. Oh, c'est allez, foutu. Les 25. Ah oui. Ouais. Bon. Allez, c'est quoi ça? C'est qui ça et compagnie? Donc, n'oubliez pas les paroles. Salut Ika. Oui, Ika. Salut Ika. N'oubliez pas, pour c'est qui ça, c'est quoi ça? C'est une émission troll, troll aussi. Donc... Attendez-vous Donc, attends, le chat est bizarre. Attends. Ah, putain. Il est où le chat? Il est là. Faites du beaucoup nous picot. N'importe. Décidément, il n'y en a que pour beaucoup nous picot. Moi, je comprends pas ce qu'il y a autour de beaucoup nous picot. Je te jure. Vous me décevez un petit peu à parler que de beaucoup nous picot. Quoi? Ah, il a mal copié ou quoi? Il a mal copié, Hugues. Mais il veut pas... Ah putain, je suis pas sur le bon clavier, espèce de connard. Pardon? C'était une raison pour me traiter de connard. Bah oui. Surtout qu'on est sur Red Fox, donc faut rester plus. Bah oui, mais tu me prends le clavier, après je veux... Oui, forcément. Vous tripler... Ah oui, vous triplez le nombre de donc, faits avec beaucoup nos picots. Donc. On est 21 mai, c'est pas forcément foutu. Ah ouais? Donc, c'est qui ça spécial? Troll, ne l'oubliez pas, c'est très important pour comprendre ce qui va se passer. Hop. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est parti. Et à mon avis, le son, c'est un peu fort. C'est qui ça? Il n'y a plus de son du tout, là, même chez nous. Je sais pas si c'est plus ça que... Ah oui, d'accord. Alors, Todd. Non, c'est pas Todd. Attends, je t'enlève ça. Oui, oui, s'il te plaît. Une glace à la fraise. Non, ta mère. Non, ce n'est pas ta mère. Octodad. Non. Non. Qui est-ce? C'est Trollface, qui clé avec une queue. Non. C'est pas une plante. Plante. Avec Alex le lion. Pas presque. Vraiment. Presque. Alien en mode troll. Presque. Un lion de Madagascar. Alien le lion. Est-ce qu'on le compte ça? Oui. Ouais, on pensait... En fait, on voulait qu'il s'appelle Alex l'alien, mais c'est bon, oui. Alien le lion, ça marche. Voilà, c'est la mélange entre le lion et... Donc, je pense que vous aurez compris le concept. Allez, un point d'Emel. Tu peux marquer le score? Oui, c'est vrai. Alex version Alex. C'est qui a mis le point d'ailleurs en fait? C'est Nemel. Nemel. Alors, Yui, non, c'est pas moi. Alors, c'est qui ça? Un nez? Non, c'est vrai qu'on aurait pu croire un nez. Tu m'as remis la souris, c'est bien? Ouais, non, tout okay, j'ai juste pas touché. Elsa en mec, non, Dark Peach, non. C'est qui ça? Sephiroth, Dark Zeldor, non. Une cloche, non. Dante, non. Simon Belmont de Jugement de Castlevania. Pas du tout. Marthe, non. Jafar, Reine des Neiges, non. Tintin avec une cape. Oh, bravo, j'y vais. Dark Tintin, Dark bravo. Tintin. C'est Dark Tintin. Tintin Vador. Tintin Vador a pu éventuellement oui. marcher, mais Dark Vador. Enfin, Dark Tintin. Donc, c'est qui, c'est JB? Tout, Eric Armé, ça. C'est JB, bravo, JB. Tintin Hardcore. Tintin Man, hashtag Mazette. Mulan, alors qui c'est qui? Tu te rappelles qui c'est? Oh, oui, c'est lui. Que Milou soit avec vous. Eric Zemmour. Ça n'a aucun sens. Alors, c'est qui ça? Thomas Le Train. Non. Yue, non. Todd Pistolet, non. On n'est pas loin de Todd... Ah, Yoshi, Todd qui viole Yoshi, bah c'est ça. Ah, c'est ça, bravo, Liman. Sachant que c'est une image officielle et que celle-là, on n'a pas retouché. C'est Todd qui viole un bébé Yoshi. Bravo, Liman. Todd qui encule Yoshi. Mon dieu, cette image des enfers. Tout va bien, bah oui, tout va bien. Censure.
Ah, une femme, non. Martha Obama, non. Alors, Rock Saucisse, non. Non. Yue en femme, non. One Piece, One Piece non. Non. Alors, Nami Luffy. Non, pas du tout. Alors là, vous êtes très loin. Dresseur de pole dance. Yuais, non, un mélange entre Luffy. Neko-chan, tu es pas du tout là-dedans. Yue est déjà une femme. Il n'y a pas de Sacha, il n'y a pas de Luffy. Ah, Nemel, Ondine Quirrell. Voilà, c'était Professeur Quisty. Professeur Quisty. Ondine Quirrell, c'est ça. Avec un merveilleux montage. Oh mon dieu. C'est lequel celui-ci? Ah oui. Aïe aïe aïe. Bon, j'abandonne. Ah mais non. Je mélange complètement n'importe quoi. Mon dieu. Mon enfant vient de décéder là. Aerith, non. Maître Freezer. Deoxys, non. Chun-Li. Alors. Qui c'est? Simon Akbar, non. Non. C'est pas Indiana... Indiana Timon, non. Non, mais ça s'approche. Simon Belmont. Là, il y a de quoi Simon trouver. Simon Champignon, il y a de quoi trouver, là. Il y a de quoi trouver. Vous avez tout, là. Simon SM, non. Non. Sadoman, non. Indiana Irma, Indiana Timon. Ah non, vous y étiez presque. Captain Separou. La meuf qui a le record des plus longs ongles. C'est quoi ça? Simon. Voilà, moi, c'est allez, ça. C'est pas... La réponse était Timon. Timon Belmont. Timon Belmont, mais ouais, bon, Simon Belmont, Timon. Timon Belmont. Timon Belmont. Non, c'est une gueule, quoi. Ah, tiens. Je crois que ça marche, c'est liké. Ah bah oui. Quatre Timon. Timon Belmont. Mon dieu. Alors, c'est qui ça? Ce jeu n'a aucun sens ce soir. Rondoudou Pichu, pas du tout. Yue. Docteur Willy, non. Oli, il est content, il est Timon Belmont. Bowser Dorf, non. Alors, c'est qui ça? Ness, pas du tout. Dark Vador qui joue au baseball. C'est ça. Bravo, Nemel. C'est en clin d'œil au premier. C'est le montage de la folie. C'est du grand n'importe quoi. Ah bah. Mais pourquoi Dark Vador qui joue au baseball? Parce que c'était au premier live qu'on avait fait. Avec justement cette image là de Dark Vador non trafiqué qui justement en silhouette donnait l'impression qu'il jouait vraiment une batte de baseball. Et du coup on en a joué. Oh c'est beau. Dark SM. Hitler. Alors c'est qui ça? Non, c'est pas Cloud. Ganondorf, non. Cloud Tintin, non. Cloud, non. Cloud SM, non. Lightning, ah, c'est... Ouais, bravo Kuroku, c'est Lightning. Avec le costume de Cloud, en fait. C'est qui a gagné là? C'est Kuroku. L'épée n'a pas rajouté, non, non. C'est vraiment. C'est une tenue qui existe, alors je sais plus dans quel jeu. Bah, la tenue, c'est celle de Cloud. Oui, c'est celle de Cloud, mais c'est une tenue, si tu as vu, qui a été rajoutée dans un jeu. C'est pas dans le montage, ça, que j'ai fait. Ah oui. C'est un truc que t'as trouvé sur internet, celle-là. La fille qui s'est injectée des testis. Ah, celle-ci. Ah oui. Là, il faudra la bonne orthographe. Oui, il faut la bonne. Oui. Tingle Goku. Non. Bayonnette.
Bayonnette. T'as Mike, il est pas loin. Ah, Mike. Il chauffe. Ah oui. Boba Fett qui fête. Boba non, Fett, qui... bravo. Oui, oui, bah il l'a trouvé. Bravo. Je suis tellement fier, il a tellement une gueule de con. Ah, c'est le Boba Fett. My God. Ah, celle-là aussi, elle est... Genius. Ah oui, là, le respect a disparu. Bon, là, je vais vraiment y aller. Bonne nuit, tout le monde. Plante et Uways. Bonne nuit, Panda. Merci d'être resté aussi longtemps et bon courage pour... C'est demain que tu as le brevet, c'est ça, Panda? Je crois que c'est ça. Moi. Donc, si tu as le brevet, bon courage. Elsa le Hutt. On chauffe. Limas qui fait de la muscu. Alors, Jabba. Jabba Le Pen. Jabba, vous y êtes, mais c'est le reste que vous y êtes pas encore. Jabba Machoc. La momie. Je l'avais dit avant. Jabba dans sa hutte. Jabba la bite. Jabba Pan, non. Non, non, non. Alors. Jabba Nonorf. Non. Jabba Bruce Lee. Enfin, dis donc. Bruce Lee. Jabba Chan. Ah, ils trouveront pas le deuxième. Quand même. Surtout cette image. Jean-Marie Le Hutt. Ah ouais, surtout que cette image-là, elle est quand même connue. De ouais, ouais. Jabba... de baseball. Jabba Chan. Non, 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 non. C'est pas du tout un personnage de Kung Fu. Hein. Ou de karaté. De... C'est vrai que sa position comme ça... Ouais, mais c'est pas du tout ça. C'est plutôt un personnage... Jabba du grenier. Jean-Jean le jambon. Jean-Jean le jambon. Jean-Jean le jambon. Genre le bon jambon, j'ai fait un mélange. Java du grenier. Ou grenier le hut, c'est vous qui voyez. Mal découpé. Ah ouais, ça, ouais, c'est Maïs qui a fait le découpage. Ouais, non, mais celui-là était très dur à faire. Donc, ah, et évidemment... le dernier. Joueur du hut. Le dernier. Ah, je me souviens même plus. C'est normal. Tu l'as pas vu. Ah ouais, tu me l'as pas montré. Non. Espèce de petit salopio. Pauvre JDG, non mais tu m'étonnes, le respect il a disparu, c'était vraiment un enfoiré. Je jouis, punaise. Oh non. Mais attends, c'est quoi cette position? De quoi? Palpatine des neiges, non, co-confort, non. Link, non. Uways, non. Légumane, non. Mais cette position me dit quelque chose. Yue, non, c'est... Djihadiste. Yue. Si, je sais ce que c'est, espèce d'enfoiré. Bravo, Castor. C'est Mace. Espèce d'enfoiré. Espèce d'enfoiré. Oh. Je savais que ta position m'a rappelé quelque chose. Alors, on fait le récapitulatif des points. Je m'en vais. Pourquoi t'as pris Dami Némal? C'est Némal. Je sais pas qui c'est qui a trouvé Mace d'ailleurs. C'est Castor. Alors attends. Ah putain. Il est beau le petit Mace. Pour le best-of. Oh l'enfoiré. Némal, pas Némal. Némal, pas Némal. Némal, 3 points. On s'en fout. Ah oui, on fait pas le récapitulatif. Alors on va passer au c'est ouais, on passe au c'est qui ça. Au... Non, c'est quoi ça? Je sais plus, bon, un truc. Oh mon dieu, ils l'ont fait. Encore pas mal joué. Merci. Encore, j'ai pas zéro, bah non. Encore, j'en veux plus. On passe au c'est quoi ça là. Donc il faut reconnaître l'œuvre, en tout cas le truc dans lequel ça s'inscrit quoi. Bien sûr. Oh merde, j'ai oublié de le. Ah, j'ai mal rangé, merde. Oh. Bon, attendez juste un petit instant. Alors j'avais lire le chat. Dans la précipitation, j'ai mal rangé j'en veux mon plus. Dossier. Ah mais dès comme ça, on n'en aura pas tout le temps. Franchement, vous vous rendez pas compte, mais ça demande beaucoup plus de boulot que d'habitude de faire des conneries comme ça. Non, et puis c'est surtout que si vous en avez tout le temps, c'est pas... Et puis au ouais, bout ouais, d'un ouais, moment... Vous êtes habitué. 1, 2, 3, 4, 5, my body is ready. 8, 9, t'aurais 10. Dû le faire avec des quadars, mais bon. Alors, on commence. Donc, c'est quoi ça? Avec, je sais pas, tu vois, voilà, un facile. Alors, c'est quoi ça? Pa, 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 pa.
J'ai pas du grenier, c'était violent. On va niquer ce soir. Bien joué, bien joué, Oliman, t'as déjà trouvé. Maïs parasé. Ouais, maïs parasé, ça existe. Même Kuro avait trouvé, donc bravo. On va niquer ce soir. Ah, vous connaissez, hein. Bah ça... Ça... Alors... Bruce dit penser. On a les clés d'un gars d'une voiture, on va niquer dedans. Toujours. Il est en avance, Oliman. Oreille. You et non. Étrangement, j'ai pas envie de savoir ce que vont être les images. Ah là, c'est du culture internet, principalement. Philippe, je sais où tu te caches. Non. Passe-partout de Carglass, viens ici que je te bute, enculé. Tout sur les jeux, non. Alors, c'est quoi ça? Batman, non? Batman? Arrête. Ah oui, mais si... Nemel, il a... Ah oui, je vois, ouais. Il est à la limite, là. Il commence. Nemel, tu commences à... Ah non, Bilal du... Ouais. C'est 92? Je sais plus. Non, c'est pas... Je sais pas quoi. Bah bref, c'est Bilal, ouais. Mais oui, c'est Bilal. Bravo, Oliman. Bilal, la Zermi. Si vous connaissez pas cette vidéo, c'est... C'est un culte d'internet. Ah, tu m'étonnes. Alors, c'est quoi ça? Arrête! Bilal, Spark, mec des stars. Qui question pour un champion? Non. Julien, le Perse? Non. Le Perse? Non. Quoi? Cupuc? Rika, des chiffres et des lettres, bravo Rika. Ça n'a aucun sens. Ah non, mais cette semaine, ça n'a aucun sens. Hein. Slam. On va tous les faire. Oliman a remarqué le salope. Un coup? Non. Salope nu, ouais, c'est... Des lettres des putes. Marine Le Pen. Nu, ils essaient de communiquer. Kev Adams, non. Dave, il y a un truc qui me dit le Fossoyeur. Bien joué. Bon, ça arrête bien de dire le Fossoyeur en deux films, mais bon. Mais bon, il a écrit... Non, il a écrit le Fossoyeur, donc ça compte pas. Dave, il y a un truc... Cyril Hanouna. Non. Kev Adams, non, c'est bien le Fossoyeur de film. Avec la pelle. Je m'appelle Pelle. Là, c'est serré parce que plein de monde a un point. Ah ouais. Alors. S'il veut bien démarrer. J'ai limite honte de diffuser ça sans fin de l'air. C'est bien parce que c'est une mission troll. C'est tellement dégueulasse. C'est de la merde, le Fossoyeur. On dit pas c'est de la merde, déjà on dit j'aime pas. Fais chier, c'est trop long d'écrire. Yui le roux, non. Il est parfait, Lisa Monet. Ah d'accord, c'est pour ça que tu disais ça, parce que j'ai l'air... Mais non, c'est écrit. Oui d'accord, tu m'as fait peur. Mais comment faire? Bravo Oliman. Bon, c'est pas le titre de la chanson, c'est pas il est parfait, mais... Bon, on va pas lui en vouloir de pas le connaître. Mais voilà, c'est pas bien grave. Love Story. 100 kilos de pit. Lisa Monet. Alors... Quoi? Riz Super Richard, c'est l'actrice de cul qui fait du rap de cul. Oh, bravo Nemel. Michel Forever, bravo. Enfin, elle change pas de registre. C'est Michel Forever. Michel Forever, tonight. Oui, c'est moi. Oh, mais arrête. Je suis concentré, moi, je travaille. Et oui. Alors, ah celui-ci, il va être très rapide je pense, mais tu dis, c'est tellement net. Mais tu donnes tellement d'indices. Mais non. Ils sont pas... C'est des Tobies, non. Pokémon, non. Bob l'éponge, c'est pas sorcier. Non. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Fort Boyard. Tout bravo sur les jeux. Tout sur les jeux. Merde. Alors, Nemel,
Nemel qui a rattrapé Oliman. C'est vrai? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste celle-là, il reste celle-là. On va essayer de mettre en la fin. Celle-là. Et il en reste encore. 3, je crois. No life, non. 10, 1, 2, 3, 5, 7, ouais, il en reste 3. Ah, Nemel a déjà donné une réponse. Pardon. Nemel, tout. Non, attends, va. Si. JDG, pardon. Ouais. Oui, c'était JDG. Bravo, Nemel. Dis donc, t'as été vachement rapide. C'est ce qu'elle disait. Hein? Tu m'étonnes. Bravo. Tu dis GDG, j'ai l'image 5 secondes plus tard. Ouais, celle-ci. Et oui. Avant-dernière image. Alors. C'est mon domaine. C'est mon métier. Indice ça. Jeu plus chemise. Ah ouais, y a pas de doute possible, non, c'est clair. Minute papillon, non. Oliman qui dit Richard. Ah, on en veut plus. Je boude, l'image est même pas apparue chez moi et vous donnez la réponse avant. Bah, faut peut-être que t'as sur Hitbox alors. Super Richard, Super Richard. Qui a dit What the Cut en premier? Léviatruc. Léviatruc, bravo. Bravo Léviatruc. Dernière image, si je mets les calculs sont le bon. Joueur du grenier, Richard et Samuel. Samuel. Ah non, t'es rapide, il est déjà 23h. Ouais, il est déjà 23h34. Hein. Ouais. On allait un petit peu trop vite, même, je pense. Je pense qu'on a tellement speedé. Ouais. Ah, parce qu'on était en retard que. On a rattrapé notre retard. Oui, on est même un peu trop vite. Peut-être, mais bon. C'est pas grave. Rideau. Au pire, alors, Léviatruc qui dit oui. Au pire, on fera un petit FAQ si des gens. Ouais, mais sur Hitbox, je peux pas utiliser le chat. Mais si, en fait, utilises le chat. Tu utilises le chat. Mets en pause. Alors, j'ai envie de donner quand même la réponse à Mike parce qu'on peut pas forcément connaître d'où ça vient. Il a dit quoi, Mike? Bah, il a dit Yue. Ah oui, mais Nemel il a dit Yue avant. Ah pardon, excuse-moi. Parce que c'est vrai que le podcast du cannibale, tout le monde le connaît pas. Ouais, non, tout le monde le connaît pas. Mais Yue. Ah non, attends, Léviatruc l'a dit en premier. Ah bon? Léviatruc l'a dit en premier. Ah pardon, bah c'est Léviatruc, excuse-moi. Donc. Le genre du grenier avec des cheveux. Le joueur du grenier avant son régime. Il y en a avant moi, ouais. Léviatruc a dit oui, je sais, me tapez pas. On l'a vu, et puis moi j'ai plus de batterie sur mon PC. En même temps, t'as dit que t'allais chercher le chargeur là. J'ai oublié. Bref, récapitulatif des points avant que je perde l'ordinateur. Nemel, 6 points. JB, 1 point. Oliman, 5 points. Kuroku, je crois que c'est ça. Kuroku, oui, Kuroku. Ouais. Un point. Mike, 1 point. Jean-Luc Bonjambon, 1 point. Castor, non, 1 point. Jean-Jean, le point. Jean-Jean. Rika, 1 point. Léviatruc, 3 points. 3 points. C'était. 3 points. C'était efficace. 3 points. Donc, on diffuse le best-of. Et éventuellement, si vous le souhaitez, on peut faire une petite FAQ si vous avez encore des questions. Oui. Sinon, ben, on se quittera là. Voilà. C'est raciste, ça. Je gagne quand même. Ah, je gagne, c'est. Ah, je gagne quand c'est le thème troll. Et j'ai été nul aujourd'hui, mais c'est pas grave. Best-of. Allez, le best-of, c'est parti. A tout de suite. Ça bug. C'est un très mauvais signe. Oh là là. Ceci est un très mauvais signe. Il fallait que ça arrive au moins une fois. Qu'est-ce qu'il se passe? Attends. Pourquoi tu veux pas fonctionner? Alors que les deux manettes ont été reconnues sur Mario Tennis, il y a des peu de graphiques. Vite. Non mais regarde, il met tout à down et hop, je sais pas ce qu'il fait. Ah, c'est une catastrophe là. Oui, il bug graphiquement apparemment. Ouais. Quoi? On adore cette musique. Ah oui. C'est notre chanson. C'est qu'on diffusera notre mariage.
réagis pas. toi, tu vas mourir. Mais non, mais tu réagis pas, je dis. Alors, notre chanson, tu réagis voilà pas. Voilà, qui. Vous allez vous marier, je crois que j'aurais voulu faire cette blague. C'est pour ça que je. Voilà. En fait, je suis en train de nourrir leur fantasme. Tu ne fais que. Je sais que c'est pour ça que ça qu'on marche, mais c'est parce que les gens ont un fantasme sur nous, il y a un fantasme. C'est le feu de l'amour. Un fantasme. Et donc. Tu as dit une poche leur fantasme. Non, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai l'impression que je vais te faire un attouchement. Ouais, c'est exactement ce que tu fais. Je ne voyais pas ce qui se passe en dessous de la caméra. Non, mais c'est bon, Dana fonctionne. Ah. Dana fonctionne, la connexion. Ah, ça y est, on l'a réparé. On l'a réparé, Dana. Elle a pas beaucoup. Oh, merci, Oliman. D'ici Diamant, c'est pas mon ami, c'est mon voisin. C'est bien Joey Sashi. Comment elle fait pour à chaque fois donner des trucs et pas. Et ce n'est pas The Forest. C'est nos voisins, les toutons. Le toton ambulant. Porco Totoro, tu peux tous les Porco Totoro. Le voyage de Totoro. Le voyage de Totoro sur la falaise. Totoro dans le ciel. Princesse Totoro. Totoro se lève aussi pour le dernier. Totoro se lève. Totoro et la baleine du vent. Moi j'ai raté le Totoro. Totoro la petite sorcière. Bon, oh, du coup c'est Nabucco qui a les pains. Totoro et le petit monde des chatardeurs. Trois. En fait c'est mieux une box et j'ai pas de retard. Ah t'as pas de retard mais t'as pas les réponses en entier. Hein. Je ne vois pas honte. Ah ouais. Allez tape. Ah, t'es fort. Il va chercher le bâton. Oh, je t'ai... Tu as gagné un mouchoir. Espèce de taré. Mais casse-toi. Mais pas tant. Pars de chez moi. Fils du diable. Nabucco 6 points. Dommage, elle était bien partie. Et, ouais. Et Mike 3 points. T'es bien parti pour ton amour, con. Des fois, tu sais, tu fais des rires en disant derrière des jokers. Je sais. Mais même pour lancer le best-of, il y a un problème, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, on va passer par cette interface-là, ça va faire très bizarre comme effet. Dans de ville. Bon, je coupe le micro. Et si on passait par YouTube? On est de voilà retour. Jamais le micro. On tu est de retour. On mettre de la musique. Non. Non. Alors. On était un peu speed aujourd'hui. Ah oui, je m'en souviens. On pourrait les voir tout le temps, mais moi, je vais à la réunion 3 heures d'avance. Ah, on était à un quart d'heure de retard. On finit 20 minutes en avance. On était un petit peu c'est speed. C'est vrai. Ah, finalement. Bon, on s'excuse, mais c'est vrai qu'on était tellement embêtés. Lance d'être... la musique. Oui, je lance la musique. Allez. Je sais plus. Game. Green game. Hills Old. Mais c'est vrai qu'on était tellement embêtés le fait d'être en retard que du coup on était un peu... Je pourrais pas vous voir. Mais bon. Je pense que c'était pas une mauvaise émission pour autant. Je suis sûr qu'elle était géniale cette émission. J'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était pas une mauvaise émission. Après les gens jugeront. Et j'ai encore... J'ai fini. Juste le bug de... Encore avec ce... Qu'est-ce qu'il y a? Le chat. Le chat, ouais. Ça, on l'a pas mis correctement sur toutes les pages. C'est embêtant. Alors les gens, vous avez deux solutions. Soit on profite du temps qui nous reste
pour faire à la limite une petite FAQ. C'est la qualité qui tombe compte. Voilà, une petite FAQ s'il y a des questions que vous n'avez pas. Enfin, qui n'a pas été... Il y a eu des questions auxquelles on n'a pas pu répondre parce qu'elles ont été... Déjà, les questions qui sont été en retard, mais je veux dire, les questions qui n'ont pas été répondues, enfin, qui n'ont pas été même posées, c'est le moment. Sinon, si vous voulez pas, on se quitte là. Ouais. On se dit au revoir. L'équate et le tapis de souris, c'est bien pour s'excuser. Allez, tiens, en parlant de ça. Bon, aujourd'hui, on a failli atteindre les 25. Ouais. Je crois que c'est 23 le maximum qu'on a fait. Bah, c'était bien, déjà. C'est très bien. Attends, les Viatrucs qui va, donc. A plus, les Viatrucs. Et puis, merci d'être passé. Et puis, à la prochaine. Ouais. Donc, Roxophos, question, on peut voir ta chambre. En soi, bon, là, déjà, elle n'est pas rangée, donc c'est le bordel. Et puis, vous la voyez déjà un peu dans les pas d'after. Et puis là, on peut pas trop bouger la cam pour vous montrer. On est un peu limité, malheureusement. Oui, donc je disais quoi? Je disais oui, donc 23, c'est formidable. Déjà, merci à vous d'avoir. C'est clair. C'est quasiment 10 de plus que d'habitude. J'espère que ça continuera comme ça, parce que ça serait bien. mais, pour continuer votre motivation, parce que je pense que vous le méritez, parce que quand même, 23, franchement, je vais vous dire sincèrement, je pensais pas qu'on dépasserait les 20. Non, moi non plus. Voilà, je vais vous le dire. Du moins, pas la première fois qu'on fait cet objectif-là. Un truc comme ça, ouais. 23. Ce qui va se passer, c'est que l'objectif reste en cours pour toutes les prochaines émissions. Dès qu'on dépassera 25, je fais les couettes. Et pour le tapis de souris, bon là, on va demander confirmation au patron de Red Fox. Mais on va essayer de faire en sorte que les tapis de souris restent en jeu. À moins que le patron veuille les offrir dans un autre concours ou autre. Mais pour les couettes, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça reste en jeu. N'importe quelle semaine, si un jour on arrive au 25, couettes. Ouais. Voilà. Alors, clic. Nico Chen qui dit, elle était géniale cette émission. Bah merci beaucoup, Nico. Grave génial aujourd'hui, nous dit Oliman. Bah merci, hein, beaucoup. Bah c'est sûr que par rapport à la semaine dernière, il n'y a pas photo. Par rapport aux deux dernières semaines. Oui. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous aussi, on s'est beaucoup amusé à la faire et même à la préparer. On s'est marré. Ouais. Mais c'était c'est beaucoup plus de travail que d'habitude pour le faire, ne serait-ce que pour imaginer les montages, les faire, etc. Plus de travail que d'habitude, donc on pourra clairement pas faire ça. Toutes les semaines, non. Pas un tel niveau, surtout qu'en plus moi ça tombait une semaine où j'étais super occupé. Donc, c'est un détail. Mais je pense qu'à la 20e émission, on essaiera de refaire un truc dans le genre. Quoi. Peut-être toutes les 10 émissions, on essaiera de faire un truc un peu plus boosté. Quoi. Une couette par viewer au-dessus de 20. Ça va être compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors oui, par rapport aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Est-ce qu'on préfère Digimon ou Pokémon, par exemple? C'est Ajusteur qui nous posait cette question. Pokémon, ah si, Ajusteur est toujours là. Pokémon, le problème, c'est que Digimon, ça n'a pas bien fonctionné en France non plus, donc c'est vrai que ça n'a pas duré... À l'époque, pas autant que Pokémon, bien sûr, mais les jeunes regardaient. Mais c'est sûr que ça n'a pas duré dans le temps. Ouais. Moi, à l'époque, je regardais les deux et j'aimais bien les deux, mais je préfère Pokémon. Et je pense que surtout, ce qui a fait la différence, c'est que Pokémon a su faire un vrai bon jeu, en fait. Digimon n'a pas su faire Même Pokémon, c'est un jeu avant d'être un animé. Voilà, c'est ça. Alors Digimon, j'avoue que je sais pas où ça a commencé, je connais moins bien. C'est un détail de l'histoire de Pad Life. Pokémon, faites pas chier. Pokémon ou Yu-Gi-Oh, Pokémon aussi. Alors, vous nous mettrez la scène du bison en entier. Justement, tu seras déçu. Ouais, c'est ce que j'ai dit, on pourrait, mais vous serez très déçu de ce qui se passe juste après. Alors, c'était... Neko qui nous demandait dans quel coin on habite. Nous on habite en région Île-de-France. Ouais, et puis voilà. On peut pas préciser. On va pas préciser plus que ça. Moi je viens dans l'endroit où il y a des cités wesh. Ouais, tu es un gros indice. Ouais, moi je vis dans le plus grand département d'Île-de-France. Ça aussi c'est un gros indice. Voilà. Yu-Gi-Oh c'était des jeux à la base. Salaud ! Ah ouais, pour Yu-Gi-Oh c'était des jeux à la base, d'accord. En même temps c'est logique puisque c'est un jeu de cartes. Alors la question qu'on voulait savoir, est-ce qu'on fait un pad life la semaine prochaine ou pas? Ah oui, bonne question, putain. La semaine prochaine, il y a Japan Expo. La question, c'était de savoir est-ce qu'on annulait l'émission ou est-ce qu'on la déplaçait au mercredi. Et puis même, en fait, l'avancer au mercredi, la semaine prochaine, par rapport à la Japan, c'était compliqué aussi, en fait. Donc, mauvaise nouvelle, les amis, et on peut s'en apprendre en même temps aux gens de Red Fox, ils vont être contents, les premiers au dernier moment. Non, c'est peut-être un moment. De quoi, mauvaise nouvelle? Mauvaise nouvelle! Il n'y a pas de live la semaine prochaine. Ah! Oh non, c'est une nouvelle! C'est une mauvaise nouvelle! Bah excuse-moi, c'est une bonne nouvelle, bah les non, amis, après, il n'y a pas de pan life la semaine prochaine, j'espère que vous serez très heureux de l'apprendre. Je propose qu'on fasse la fête.
Non, c'est-à-dire que si vous êtes sûr de... Par exemple, s'il y en a qui viennent le jeudi... Non, de quoi non. J'en ai trouvé, parce que faire un pas de life le jeudi soir, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a plein de personnes qui ouais, c'est compliqué. Qui vont... parce que nous, déjà, le lendemain, on va à la Japan. Pour le jeudi, oui. Alors non, le jeudi soir, c'est mort de chez mort, ça c'est sûr. Je veux un pas de life spécial Japan Expo. Bah, on verra. Mais si peut-être que la semaine d'après la Japan, on peut essayer de faire quelque chose qui est en rapport avec ce qu'on aurait vu à la Japan, on peut essayer. On promet rien. Hein. On promet rien, mais si on peut voir justement d'essayer d'adapter si possible, à ce qui s'est passé à la Japan. On filme un pas d'after à la Japan. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mercredi soir, alors le mec me dit que mercredi soir, est-ce qu'il y a des gens qui... Le problème, c'est que voilà, c'est qu'il y a des gens qui vont jeudi à la Japan, ils pourront pas rester tard, quoi. La logique de Yui qui est content qu'il n'y ait pas de pas d'after. Ah oui, non, mais moi j'ai pas compris pourquoi il est... Non, mais c'est pas ça, c'est-à-dire que... Bah, c'est une mauvaise nouvelle. Non, mais attends, on peut avoir des mauvaises nouvelles qui ont plusieurs échelles de valeur. Ah oui. J'ai pas dit que c'était une nouvelle qui allait... J'ai de bonnes idées, Nemel qui dit j'ai de bonnes idées. En fait, ça rappelle du pas de ciné. En fait, on va pas te faire pas d'after parce que Noël l'a proposé, ça sera forcément de la merde. Mais oui, mais moi je pense que c'est une bonne idée de faire pour le pas d'after qui suivra la semaine de la Japan Expo, de faire un truc qui a un rapport avec la Japan Expo. Puis même, est-ce que dans l'émission on pourra adapter des choses? Bon, on verra. M'en fous, j'y vais pas à la Japan Expo. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui vont le vendredi, c'est pas tout le monde qui va. Bref, est-ce qu'on aurait dit encore que nous on y sera le vendredi? Nous on y sera le vendredi à la Japan Expo, donc si vous êtes là, n'hésitez pas à venir nous voir. De toute façon, je pense que... Au stand de pas de life. Au stand de pas de life. On sera vite reconnaissable, je pense, de toute manière. Il n'y a pas beaucoup de mecs de 2 mètres. Déjà, il y a un connard avec un... Si, il y a Lunatic. Oui, mais bon, lui, il sera au stand Boxmaker, il sera pas en train de errer. Et il y avait un mec avec un Kigurumi Spiro, donc ce sera très facile. Ouais, non, mais... Après, je suppose qu'avec les gens avec qui on est sur Skype, on essaiera de se... Ouais, je pense que ça sera tout à fait... De donner un rendez-vous à une heure et à un endroit, quoi. N'émêle pas tout sur les jeux. Ouh, la Nemel et ses idées, c'est pas bon. Holyman, un stand à la Japan et un pad life en live. Peut-être le jour où on aura 2000 ou 3000 viewers et que la Japan nous laissera faire. Moi, je dis pas non, mais je crois que cette année, ça va être... Mais surtout, c'est dommage parce que c'est des concepts qui pourraient totalement s'exporter dans live, en fait. C'est-à-dire que même au niveau des réponses... Avec un public, tu veux dire. Ouais, ouais, en public, c'est-à-dire que c'est... Il pourrait tout à fait, ça serait même plus simple des fois, si tu fais un système de buzzer et tout, alors les gens ils seraient « machin, chose, c'est machin !» Il n'y aura aucun des problèmes de décalage, c'est des concepts qui pourraient totalement s'exporter en public, en direct en fait. Oui, mais on peut pas le faire. Oui, mais on peut pas le faire, c'est vrai. Déjà, soyez content qu'on ait les moyens technologiques de faire ça sur internet. Hein. C'est ça. Je viens le vendredi, mais dès que je vois Yue, je me barre en courant de l'autre côté. Monsieur, tu veux. Donc du coup, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on va se donner rendez-vous pour ceux qui seront à la Japan vendredi prochain. Mm-hmm. Et pour les autres, ça sera le jeudi dans la semaine d'après. Je sais pas la date. 3 juillet, c'est la semaine prochaine. Ça sera le 9 juillet. Donc jeudi 9 juillet pour le prochain. Donc la semaine prochaine, pas de pas de life. Non, ça sera trop compliqué. Ça sera trop compliqué. Ouais. Donc on vous prépare par contre un beau numéro pour voir. Ne promets pas trop. Mais on va essayer de faire un truc. Ah, après, au niveau du son, ça va être dur, parce que du bordel à la Japan. Ouais, mais après, si je reste proche avec la caméra. On va essayer. On tentera quelque chose. On essaiera. On essaye, même au niveau de... Je pense qu'au niveau des thèmes, si on peut réussir à rester un petit peu dans l'univers Japon. Ouais, peut-être un spécial Japon, quelque part. Spécial Japon, ouais, un pas de live spécial Japon, ça pourrait être une bonne idée. Yolo ne tourne jamais... Je n'ai jamais tourné le doigt Yue. Alors... Ah, au fait, je sais pas si beaucoup de monde le sait, mais en fait, je suis Yami. Ah bah si, je le sais. Et oui, d'ailleurs, la réflexion sur le jeudi 24 juin, 24 oui, juin. Oui. Ah, je suis trompé, c'est pas grave. On te demande un truc, et tu arrives à le rater. Un truc. Alors, moi, j'y suis le dimanche. Ah bah, je crois qu'il y a Neko aussi le dimanche, il me semble. Ah oui, bah oui, c'est marqué, moi, j'y vais le dimanche. Mmh. Par contre, samedi, on fait un live à l'Assemblée Générale de Red Fox. Ouais, c'est ce samedi. Donc après-demain. Après, je sais pas si c'est ouvert, enfin, tout le monde peut aller regarder, voir ce qui se passe. Je sais pas du tout. Je sais pas. Peut-être sur Reddit, peut-être que c'est directement sur cette chaîne, ou j'en sais rien. Peut-être que c'est directement avec tous ceux qui seront en IRL. Avec tous ceux qui seront là, d'accord. C'était la spéciale troll, oui. Ouais. Et peut-être, oui, la semaine prochaine, une spéciale... Enfin, pas la semaine prochaine, mais du coup, dans 2 semaines, une spéciale Japon. On va voir. On va voir. On va voir les possibilités. Spéciale Japon. Bon. Il est 23h52. Il est presque minuit. Bon, je pense pas que tout le monde ait des questions. Non.
En tout cas, n'hésitez pas à retrouver l'émission sur, c'est très chiant ce que je dis, mais à chaque fois il faut le faire, sur Facebook et les pads after, même s'il n'y a plus grand chose dans le pad after en ce moment. Mais on préfère ne rien faire plutôt que de faire de la merde. Mais il y a quand même le FAQ cette semaine. Et puis j'ai oublié en plus de mettre la rediff de la... Enfin, j'ai oublié. Bref, il n'y a pas encore la rediff de la semaine dernière sur YouTube. Ouais. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur YouTube, et pour plus d'informations sur la Red Fox Gaming, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de l'émission, à suivre l'association sur Twitter, et à plus d'informations sur inhilen.org, et si vous voulez nous suivre plus personnellement, Yuenko et Mace Productions. Oui. J'ai quelque chose à rajouter. Ah, avant qu'on se quitte. C'est une spéciale troll, donc on ne pouvait pas se quitter comme ça. Oui. Mais un petit point de détail, même si c'est une spéciale troll, c'est pas un troll ce qui va se passer. Accrochez-vous, là je fais du teasing là. Accrochez-vous à vos sièges. Là je rigole, sinon c'est de la merde. Oh merde. Une surprise vous attend pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. Ce qui va se passer, c'est qu'on va vous diffuser quelque chose. Et on va vous laisser. Voilà, et en fait, et on va pas reprendre l'antenne derrière, on se dit au revoir maintenant, on vous diffuse ça et fin du live. C'est pas un troll ce qu'on va diffuser, c'est quelque chose qui est vraiment en cours. J'en dis pas plus. Attends, sinon c'est quand vous repassez vos affaires, il y a le linge qui s'accumule. Je sais pas si tu parles de choses derrière, mais c'est pas du linge, c'est des... C'est du bordel. C'est du bordel, c'est la couette. Voilà. J'ai peur. Je le sens mal. Donc merci à tous, merci beaucoup. Pour ceux qu'on verra à la Japan, à vendredi. Et puis après, bon, voilà. Et puis sinon, à dans 2 semaines pour un pad live spécial Japon. Salut. Salut, salut. Nous avons un client. Ah ? Pico. Est-ce que tu en veux ? Ah, c'est froid. Tu veux lécher ? D'accord.